Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être là. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon week-end et que nous allons faire la transition vers cette semaine qui démarre demain en toute quiétude, en toute véritude. Ça y est, je dis n'importe quoi. Bon, bref, j'espère que vous allez bien. Nous allons passer une petite soirée. Nous allons parler de réalité virtuelle. Ce soir, au programme, un petit melting pot parce que j'avais envie de faire plein de choses. Et du coup, quand on a envie de faire plein de choses, et ben voilà, du coup, il y a. J'ai pas réussi à tout caser. Bref, on va s'amuser entre nous. Première étape, je vais vérifier, savoir si vous avez une belle image, si vous avez le son qui est bon, car j'ai changé un peu la configuration du son. Donc, dites-moi si ça va. Et voilà. Et voilà. Une fois que j'aurai ça, je pourrai continuer tranquillement et attaquer notre programme du soir. Voilà, je vous laisse tranquillou répondre. Ouais, tout semble bon, ça a l'air. Ok, cool. Voilà. Alors, petit bonjour à tous nos amis de la Loulou Family. Nous avons Matt, nous avons Drone Aquitaine. Coucou Drone, salut, plaisir de te voir. Stéphane Sautier qui est là, GRM avec GRMB59, Vincent Dulot, salut. Je crois que ça fait un petit moment qu'on ne t'avait pas vu, peut-être pas. Enfin, c'est peut-être une impression. Showgame, Samuel Tagliamento, ça y est, ça c'est fait. La journée est faite, Showgame. Et puis voilà, c'est bien, ça arrive doucement, tranquillou. En même temps, je vous ai prévenu très tardivement, je l'avoue. Je l'avoue, j'avais une petite hésitation. Fais pas. Alors, pour les programmes de la semaine qui viennent, donc il y aura mercredi, demain soir, il y aura normalement à 20h le Pimax Frontier. Le Pimax Frontier qui, alors attends, je vais chercher là, qui est à 20h en GMT plus 2, je crois. Donc, normalement, ça devrait être ça. À 20h, donc demain soir, nous suivrons la conférence Pimax, des fois qu'ils nous sortent un truc qui nous fasse un petit peu rêver, pourquoi pas. Je suis en train de chercher le truc, il y a trop de trucs. J'ai un bordel devant moi, je vous dis même pas, je m'y retrouve même plus tellement il y en a des trucs partout, c'est ouf. Bon bref, croyez-moi sur parole, ce sera demain soir à 20h le Pimax, donc on saura si quel casque ils vont nous promettre, qu'est-ce qu'ils vont nous promettre. Écoutez, pourquoi pas, ça donnera l'occasion. Voilà. Ensuite, nous nous retrouverons mercredi. Peut-être on fera un. J'ai bien peut-être cette semaine, peut-être vendredi, on fera un truc sur le cloud gaming. Alors cette fois-ci sans invité, mais peut-être quoi que si. Pour faire un point, ceux qui ont pu jouer en VR et tout ça, je caserai ça dans un live. Les accessoires, je vais en parler ce soir. Je vous en parlerai ce soir juste pour vous présenter les accessoires que j'ai reçus. Je les ai pas encore tous reçus, mais j'en ai déjà une bonne partie. Et je vous ferai le live, je pense, dimanche au plus tard, dimanche prochain, sur les accessoires du Quest 3, lesquels, pourquoi, comment et tout ça. Voilà, et là, ça devrait en intéresser plus d'un, parce que j'ai de quoi tester. Voilà. Et puis, on parlera un petit peu jeu. Accessoirement, je vais vous parler de Tropico parce que je devrais le tester. Je l'ai essayé, j'ai plus envie de le tester. Pff, dommage, c'est dommage. L'idée était bonne, mais alors c'est incroyablement compliqué. Voilà. Alors attendez, je suis en train d'essayer. Hop, Ctrl Shift T. Voilà pour récupérer ce que j'ai fait. Bim bim. Ctrl Shift T again. Voilà. Merci. Blablabla, mon Facebook il est là. Oh mon dieu. Alors que je n'aime plus du tout X depuis que c'est devenu X. Voilà. Hop. Salut monsieur Nicolas Perret. Nicolas, salut, qui interviendra bientôt dans un live parce qu'il a des choses à dire, je le sais. Car je pense que vous avez remarqué que Ubisoft a retiré un jeu comme ça, pour The Crew, du catalogue de ceux qui l'avaient acheté. Ouais, tu l'as acheté, bon d'accord, tu ne peux plus le lancer, déjà c'est pas cool. Ils ont coupé les serveurs, donc tu ne peux plus lancer le jeu, que tu l'as acheté sur Galette ou que tu l'as acheté en démat. En gros, t'es mort. Et là, en plus, au cas où, comme il ne servait plus à rien, ils se sont dit, on l'enlève. Allez, donc, tu as acheté un jeu qui n'existe plus, qu'on t'a retiré. Ça fait grincer les dents. Hein, même si, bon, c'est comme ça. On a bien compris qu'en démat, les jeux ne nous appartiennent pas. Regardons-nous bien. Tous nos jeux là-dedans, dans les quests et compagnie, un jour, ils pourront disparaître. Ouais, il faut en profiter. Et voilà, on verra.
Et ça, c'est compliqué, tous ces genres de jeux. Il y a beaucoup de jeux maintenant sur Quest qui nécessitent une connexion Internet pour démarrer. Ça, c'est pas cool. Parce que ça veut dire que pas Internet, pas de jeu. Et je pense que ça, c'est. Je pense qu'il y a des vraies questions à se poser sur cette dématérialisation, sur cette obligation de connexion et même sur les jeux en réalité virtuelle. C'est dire qu'on sait que nos casques un jour ne serviront peut-être plus. Heureusement, il y aura toujours des façons de récupérer les jeux d'une façon, etc., etc. Voilà. Quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs, ce soir, je vais vous parler. Je vais vous parler rapidement. Alors, attendez, je l'ai là. Je vais vous le sortir. Voilà. Hop, hop, hop. Tiens, je vais mettre ça là. Tout, 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 tout. Pouf, pouf. Je vais voir si je peux vous le montrer. Cool ce soir. Cool. Je suis complètement cool ce soir. Voilà. Je vais vous en parler parce que je suis obligé de vous en parler. D'abord parce que j'avais demandé la clé pour le tester. Donc, il est normal que j'en parle. Mais je suis face à un truc qui m'a complètement. Si quand tu veux, je peux récupérer le clic droit. Donc vous rappelez, hein, quand le clic ne marche pas, vous bourrinez un peu la gâchette ici et le clic remarche. Partie des bugs comme ça. Qui ne sont pas graves, graves, hein, mais qui sont récurrents et fatigants. Alors, je vais lancer. Créer une nouvelle limite. Voilà, tac. Allez, je vous montre rapido. Hop, hop, hop. Je vais récupérer la batterie. Ça y est. Vous partagez l'image, bien sûr. On va essayer de faire ça, de ne rien oublier. Oh, oh. Pourquoi tu ne trouves pas? Est-ce que je suis bien connecté sur le bon? Ah, ah. Alors, pourquoi tu ne le trouves pas? Ah, c'est pas grave. C'est pas grave, on fera ça. Je veux pas m'énerver. Non. Non, non, on va pas s'énerver. Tranquille, on va recommencer, mettre en miroir. Voilà, il l'a trouvé. Tu vois, il suffit d'être zen. Zen. Zen, sauf que voilà, c'est mieux comme ça. Bien, vous allez voir ce fameux tropico. Allez, rapidement, je vous montre ça. Et puis, hop, tropico. Voilà. Alors, Tropico, c'est un jeu de strat avec. Attends, je vais peut-être baisser le son déjà. Ça nous fera des vacances. Connu sur PC, hein, bien sûr. Ils en ont fait une version en VR et techniquement, c'est une cata. Le jeu est d'origine hyper flou. Même là, le texte, c'est une horreur. Il ne peut pas être amélioré par QGO parce que dès qu'on commence à titiller un petit peu les paramètres, le jeu plante. Il dit ah, ciao, bla bla bla. Ici, alors ce qui est bien, c'est qu'il est en français. Par contre, ça c'est cool, mais techniquement, les bâtiments. Pardon, les menus sont faits, mais pas pensés pour la réalité virtuelle. C'est assez horrible. Le jeu est hyper compliqué. En vrai, c'est pas du tout fait pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Le tutoriel, c'est du texte. Et voilà, tu te retrouves là-dedans. Alors, comment dire? Par contre, c'est bien, c'est en français. Hein. Regardez, c'est affreux. Enfin, pardon, ça peut être cool, mais il y a de l'aliasing, mais c'est affreux. D'habitude, je savais que je suis plutôt souple. Hein. Mais là, bon, c'est. Voilà. C'est pas très clair sur ce qu'il faut faire. Hello, présidence, moi, génial. Commençant par les bases pour fermer ce message, placer le curseur sur la croix dans le coin droit. Bling. Vous êtes peut-être président, gnagnagna. Fermez ce message pour continuer. Bloom. Amigo, heureusement, gnagnagna. Fermez ce message, puis appuyez sur le bouton X de la manette gauche pour afficher la liste des objectifs. Blim. Là. Alors, sélectionnez cette tâche. Voilà, le résumé des tâches vous tient informé sur votre objectif. Gna 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 gna. Blim. Continue.
Grâce à votre satellite espion, blablabla, fermez ce message et essayez maintenant. Utilisez le joystick gauche pour effectuer un panoramique dans n'importe quelle direction. Et je sais ce. Ouais. Voilà, on se promène. Alors, vous allez regarder hein, pourquoi notre satellite espion équipé d'un télescope spatial poussait le joystick droit vers le bas pour effectuer un zoom avant. Ah, c'est oui, oui, que je suis con. Oui, par contre, vers l'avant, c'est vers le haut. Pousser le joystick droit vers le haut pour réimposer ses commandes. Gna, gna, gna. Ok. Ouh. Boum. Maintenant, retournons-nous. Poussez le joystick droit vers la gauche ou à droite pour pivoter votre vue. Évidemment, il veut plutôt descendre que monter. Le bouton B de la manette droite contrôle l'écoulement du temps. Appuyez sur le bouton B pour faire défiler les différentes vitesses et accélérer le passage du temps. Et ça va vachement vite là. Le temps passe vite, on s'amuse bien, gna gna, mettez le jeu en pause avec le bouton A. Voilà, ça c'est fait. Et ainsi de suite. Mettez en surbrillance n'importe quel bâtiment lors du QCE. Essayez absolument de sélectionner. D'accord, je vais choisir celui-là. Pour un contrôle plus approfondi, sélectionnez le nom du bâtiment. Voilà, allez-y, mollo. Voilà, c'est là. Blablabla, panneau d'information qui présente, etc. C'est hyper long. Enfin, c'est le tuto là. Il faut construire. Alors, quand on construit des bâtiments, il faut les construire là, faire une route. J'ai pas réussi parce que la route, j'arrive pas à la construire. Ça merdouille à chaque fois. Bon, bref, c'est moi aussi hein, qui suis pas très ouvert. C'est vraiment. C'est un peu lourdingue. Voilà, je voulais juste vous le montrer pour la route. C'est pas foufou, ça pique surtout beaucoup les yeux. Regardez même les personnages de près. Regardez ça. Pardon. Je sais pas, d'habitude je râle pas. Là je râle un peu. Je râle un peu. Voilà, j'abandonne ça quelques petites secondes. Je repasse en VR. Voilà. Ok. Bien, je vous ai montré Tropico. C'est le truc à éviter, honnêtement, je pense. Voilà. Et honnêtement, il y a d'autres alternatives dans le jeu comme Tom's Men ou des trucs comme ça qui sont beaucoup plus passionnants. Alors que ça a l'air complet. Après, si vous passez. Et merci pour la petite participation gratuite. D'ailleurs, explique-nous comment tu fais un push comme ça, puisque tu as le droit à un push par mois. Explique-nous ce que c'est comme dans le chat, comme ça les autres pourront faire. Oui, on n'est pas beaucoup ce soir, va falloir s'y faire. Plus on va s'approcher des beaux jours, moins nous serons nombreux en live le soir. C'est normal. C'est comme ça. C'est à un moment donné où la VR, ben on est bien, les gens préfèrent être dehors. Je comprends. Il n'y a pas de souci pour ça. En tout cas, je vous ai parlé de Tropico. Pour rappel, Tropico. Alors attendez, ce que c'est. Hop, 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 Quest. Voilà. Même pas envie d'aller plus loin pour vous le montrer, c'est horrible. Tellement ça m'a déçu. Après, peut-être que si j'y passe un petit moment, j'y arriverai à trouver, etc. Mais honnêtement. Voilà, donc Tropico, il est là. Peggy 16, vous avez vu, il a pris une note de 3, 3 virgules et des poussières, ce qui n'est pas beaucoup. Sur 35 évaluations seulement, en même temps, c'est pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont acheté. Eux, ils vont au clash direct. Sorti le 28 mars, le mars dernier. Voilà. Voilà, graphique. Trop de bugs, c'est pas faux. Où est passée la journée? Ça pourrait être un bon jeu. Tropico en VR. Voilà, il y en a qui ont aimé. Hein. Écoute, c'est. Et quant au prix, pour info, le prix, c'est 29,99. Et bien sûr, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez un lien avec 25% de remise, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous filer ce lien. Voilà. Et peut-être que vous trouverez ça bien. Voilà. Voilà. Après, comme je le dis, je ne doute pas que le jeu soit complet. Mais par contre, l'interface est complètement à la ramasse. Comme il l'a dit, il y a pas mal de bugs. Et graphiquement, c'est impossible. Un petit peu comme Grid. Moi, Grid, on a pu l'améliorer avec QGO. Grid, c'est un jeu complet, un vrai triple A sur Quest.
Et graphiquement, on a plutôt l'impression d'être sur une DS, quoi. Alors bon, on s'y fait. Autant, tu vois, je suis capable de pardonner à Grid parce qu'il est hyper bien jouable, il est complet. Il est agréable. Au là, entre Tropico, j'ai plus de mal. Voilà. Voilà. Aïe, 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 Stéphane Sautier qui nous dit, tiens, coucou, pas parrainable et peu intuitif, je l'ai acheté, plus le choix, attendre une mise à jour ou te faire rembourser. Ou te faire rembourser. Merci Stéphane pour le tips. Voilà, allez, maintenant on va passer à des choses plus fun. Je vous le dis, j'ai chopé ça sur tac tac tac. Je vais vous montrer ça tout de suite. Le temps de virer les pubs, voilà, tac. Alors, c'est World of Warcraft qui est. Alors, attends, je vais refaire comme avant ça. Voilà. Pense que c'est comme ça qu'on doit faire. C'est pas ça, CTRL Z. Voilà, c'est ça. Je vais le mettre là pour que vous puissiez tout voir. Voilà. Alors, un petit F11 et. Oh, c'est pas là que je dois faire le F11, c'est là. Bof. Voilà. Et explorer Azeroth à la première personne avec ce nouveau mode VR de World of Warcraft. Alors, nos amis de Flat2VR ont, comment dire, je vais pas passer toute la vidéo parce que sinon je vais me prendre un strike. Globalement, ils sont capables de faire jouer World of Warcraft en VR, donc avec un petit mode dont vous trouverez le lien tout à l'heure en description. Et c'est par contre, c'est affreux, mais bon, c'est fun, c'est rigolo. C'est un mode, pardon. Et ça se joue avec les manettes. Voilà. Et tac, tac, tac. Regardez. On voit bien là qu'il est levé par rapport au personnage. C'est quand même super sympa. Après, ça picouille les yeux, ça picouille les yeux, ça picouille les yeux. Voilà, pour info, ça se trouve. Alors, ça se trouve ici. Je vais vous donner le lien tout de suite dans le chat, au cas où ça vous intéresserait. Il y a du bricolage à faire pour que ça fonctionne. D'accord. Alors, je vais arranger ça. Oups. Alors. Hop, hop, hop. Je donne l'original. Bim. Oh, je vous le donne Hop. Voilà. Hop, hop, hop. Donc là, vous avez le patch, vous avez tout. C'est le projet. C'est sur projet Mimer WoW VR. WoW VR. Hein, OK. Et là, vous avez toutes les explications. Donc en gros. WoW VR vise à ajouter le support de la VR à la 3.3.5A, le dernier patch de la deuxième extension du MMO à succès lancé en 2004 initialement. Le mode est une version expérimentale destinée à être jouée assis avec des contrôleurs de mouvement VR, donc avec les contrôleurs. Actuellement, nous n'avons pas de plan, donc de prévision, pour un développement continu et actif. S'il y a suffisamment de soutien et d'intérêt de la part de la communauté, nous pourrons examiner la visibilité des montures à la première personne, et si, etc., etc. Pour info, ça fait plus de 10 ans que ce patch est en développement, il le dit en bas. Ils avaient un peu laissé tomber pendant 4 ans, et là, ils se sont relancés. Et suite au mode Xi VR qu'ils avaient, ils se sont dit, allez, on y va, hop, 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 on se fait plaisir, et là, vous avez toutes les infos. Je vous ai donné le lien, vous pouvez y aller tranquillou si vous en avez envie. C'est plutôt cool pour ceux qui aiment, pas moi, donc ça ne me dérange pas. Et voilà, vous savez à peu près tout sur World of Warcraft, ça sera pas mal ça. Alors, tac, tac, hop. Bim, bim. Voilà, je vous amène une petite nouvelle de Upload VR cette fois-ci.
Nope Challenge, ça fera plaisir à, je crois qu'il est là ce soir, me semble-t-il que je l'ai vu, The One 76, qui n'est plus la Loulou Family, mon loulou, tiens. Tac à tac, vous avez ici, hop, un petit F11 pour la route. Voilà, Nope Challenge qui permet de faire face à ses phobies, apparemment. Regardez ce que ça donne, il sera disponible le 25 avril. Et oh, ça marche pas en plein écran, c'est bête ça. Bon, bah écoute, on va laisser comme ça. Attends, on va peut-être aller directement sur YouTube, ce sera plus simple. Et là, on pourra le mettre en plein écran. Oui. Et bien sûr, on se tape de la pub. Le voilà. Allez, on le remet pour la route. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, Nope Challenge Launch That Trailer. Voilà, vous avez donc, ça sera le 25 avril. Et apparemment, ça a l'air rigolo. Graphiquement, ça passe. On est dans le classique. Araignée vide, donc vertige. Ça me rappelle un autre jeu, je ne sais plus ce que c'est. Ça me rappelle il n'y a pas longtemps un jeu qu'on avait déjà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part les... Qu'est-ce que c'est? Non, quand même pas peur des bananes. Les clowns. Ah, il paraît qu'il y a pas mal de gens qui ont peur des clowns. J'en ai connu en vrai en plus des gens qui avaient peur des clowns. C'est rigolo. Alors, notez qu'il est annoncé pour MetaQuest 3 uniquement, comme ça, à froid, mais qu'en fait, en vrai, il sortira sur tous les Quest 2, Quest 3. Il n'y a pas de souci. Mais a priori, ça a l'air. Là, c'est annoncé. Voilà, sur Quest 3. Voilà. Ça a l'air plutôt cool. C'est le 25 avril à suivre de près. Voilà. 9 défis individuels avec 3 niveaux d'intensité, léger, modéré, extrême. Happy Panic déclare utiliser une IA dynamique avancée pour garantir que les rencontres ne soient jamais les mêmes, tandis que chaque choix façonne le déroulement de ses expériences. Voilà, ok, on va faire court avec ça. C'est un jeu qui a l'air d'arriver, qui a l'air cool. Il fallait vous en parler. Bien, allez, on va continuer à avancer dans les choses cool. Alors, attends, j'avance toujours. Hop, hop, hop. Voilà. Autre mode qui arrive, puisque je vous avais dit qu'on parlerait de mode aujourd'hui. Tenez, je vous le montre ici. Regardez. Allez, si vous n'avez pas eu le temps de lire, à quoi ça vous fait penser? Et ouais, c'est du Halo. Halo en réalité virtuelle, en VR, là aussi. Et là, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Halo, les gars. Là, j'ai envie d'y jouer, tu vois. C'est pas du WoW. Là, j'ai envie d'y jouer. Voilà. Ça donne envie, vraiment. Alors, oui, mais les maps, les armes, les sons, tac, directement, tu sens dans le monde d'Halo. Halo, quoi. Voilà. Et donc, il y a le mode d'Halo qui arrive. Et ça sera donc apparemment sur la base de Contractor VR. Et on pourra jouer à ce mode sur PC, voire en standalone sur Quest. Eh oui. Ça, c'est plutôt cool. Allez, je reviens en ligne. Là, tranquillou, je continue ma petite avancée des news vite fait de la semaine, enfin du moment que j'ai trouvé. Salut Laurent, salut tout le monde, tout le monde, tout le monde. Alors, ce qui est intéressant aussi, je vais y retourner tout de suite, c'est que l'équipe, les hommes, ce qui est. Attends, il faut que je change de Twitter, il faut que j'aille sur le mien. Voilà. 2 petites secondes, la liste. Voilà, les sources. Tac-tac. Donc, Ivry a réussi à récupérer un kit de dev du
PSVR 2, ce qui veut dire que là, ils vont pouvoir avancer. Au passage, ils ont mis à disposition, je crois, si ma mémoire est bonne, parce que j'avoue que je ne m'en suis pas occupé, je ne sais même pas où est mon PSVR 2. Ils ont mis à disposition pour les abonnés, je crois, un driver pour le PSVR 2 pour faire tourner sur PC un driver bêta. Et ce qui veut dire que techniquement, le PSVR 2 va pouvoir fonctionner sur PC. Et ça veut donc dire que le PSVR 2 va pouvoir être utilisé avec UEVR, entre autres. FlatOVR va faire des patchs. Bref, on devrait pouvoir utiliser le PSVR 2 pour faire tourner des jeux VR sur PC. Et ça, honnêtement, j'en sais rien. J'ai hâte de voir. Est-ce que ça valait le coup de fantasmer là-dessus, etc. On va voir bientôt. Bientôt. Toujours pareil dans les modes, puisqu'on parle de mode. Petit cadeau encore. Hop, hop, hop. Regardez ce qui arrive. Cette semaine, Horizon Forbidden West va arriver en VR. Eh oui, voilà, Horizon Forbidden West va arriver en VR et ça va être une tuerie. Une grosse, grosse tuerie. Enfin, moi, je l'attends, tout ça, j'ai hâte de le faire, celui-là, en VR. Enfin, en tout cas, de m'y relancer un petit peu juste pour rigolo. Pour rigoler. Fatigué. Ensuite, dans les choses qu'on a vues, il y a Powerwash Simulator en VR qui a reçu un DLC sur Bob l'éponge. Voilà. Et là, eh ben, c'est le teuf. C'est d'ailleurs ce qui fait la force de ce Powerwash Simulator en version PC, c'est qu'il a des mods avec Final Fantasy, des trucs de dingue. Et je ne sais pas pourquoi ça marche, mais ça marche. Ça fonctionne très bien. Voilà. Allez, on y va. 2 petites secondes, je vais jeter un petit coup d'œil. Je suis désolé, hein, je suis calme ce soir, j'avoue. Blabla. Ah oui. Tac, tac. Petite chose sympa au passage. Allez, ça c'est grâce à Surfufu qui est à l'affût. Alors, il y a Stéphane Sautier qui nous dit, je suis level 175 plus à Power Simulator. Mais putain, mais comment tu peux jouer à ça? Sérieux? 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 Ah là 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 là, je vous jure, mais nettoyer des trucs, mais non. Allez, je continue. Ouais, mais je comprends que tu adores. J'ai bien compris, tu n'es pas le seul. C'est ça qui est drôle. Allez, petite info pratique. Fallout 4 en réalité virtuelle est disponible en promotion encore sur quelques jours. Voilà, offre du week-end. Elle prend fin le 19 avril, c'est-à-dire dans quelques jours. 14,99. Voilà, 14,99. Et il y a 77% de remise sur le pack complet, le détail du pack complet. Il n'y a pas que de la VR dedans, bien sûr. Fallout GOTY, DLC, 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 saison pass, etc. Et voilà, Fallout VR. Tac. Il y a que jeu de base complet avec tout nouveau système de combat, de fabrication et de constructeur. Bref. Vous l'avez pour 14,99. Bah, je dis, c'est peut-être le moment d'y aller. Hop là, voilà. Allez, bingo. Et je reviens au départ. Est-ce que Fallout se joue, 4 se joue à la manette? J'en sais rien. Très honnêtement, j'en sais rien. Je ne suis pas fan de Fallout, donc je reporte l'information, mais je n'ai pas joué avec. Je vais te dire ça tout de suite. On doit le savoir normalement. Alors, tac, 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 monde ouvert, RPG, tir, voilà.
Alors, prise en charge des contrôleurs suivis. Non, prise en charge des contrôleurs suivis. Non, il se joue à la manette, avec les contrôleurs. Ce qui ne veut pas dire que tu dois, t'as peut-être pas les mains, mais en tout cas, il y a la prise en charge des contrôleurs suivis. Donc, normalement, si, en fait. Voilà, ta réponse est là. Tu vois, pardon, je ne vous l'ai pas montré. C'est là. Tu vois, regarde. Prise en charge des contrôleurs suivis, ici. VR uniquement. Voilà. Solo, bien sûr. Voilà, ça c'était pour répondre à notre Fabien. Voilà, salut Fabien. Tout simplement. A priori, en tout cas, il avait bien plu. Alors, de côté de la V64, bonne nouvelle, elle est maintenant arrivée quasiment chez tout le monde. Je ne dis pas tout le monde, parce que sinon il y en a encore qui vont arriver. Moi, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que maintenant, elle est quasiment complète chez tout le monde, y compris pour le monde, pour le mode, enfin pour le mode. Oui, si pour l'option couchée. Regardez, on va se le faire ensemble. Comme ça, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est l'occasion de regarder à quoi ça ressemble. Alors, normalement, il devrait reprendre tout de suite, puisque je n'ai pas annulé. Quand tu veux, voilà. Est-ce que le partage d'image fonctionne de nouveau? Ouais, non, il va falloir que je le refasse. Et normalement, il devrait. Hein. Ah, il m'a fait le bug. Alors, attends, je vais le feinter comme ça, c'est pas grave. Changer de profil. Voilà. Ah, je te jure, ces bugs, ces petits bugs par petits bugs, mais. Entre autres, là, j'ai le mirroring qui est actif, mais qui ne démarre physique, enfin, qui est actif ici, qui ne peut pas être désactivé et qui n'arrive pas là-bas. Donc, bah, voilà. Allez, confirmer la limite, partager l'image, mise en miroir, tum, tum, top, top et tap. Là, vous devriez voir l'image. Ça y est. Alors, regardez dans les options. Donc là, moi perso, j'ai le système. La V64, mise à jour logiciel. V64-00-484 et blablabla, 484, 480, bref. Voilà. Et là, j'ai rien de neuf. Voilà, blâme. Donc ici, pardon, dans l'expérimental, j'ai maintenant, tic, 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 utilisé les applications en position allongée. Alors, je vais m'allonger. Voilà. Oula, je sors de mon espace de. Ouais. Je vais peut-être faire un espace plus large. Attendez. Blam, blam. Blam, blam. Dépêche-toi, Eric. Limite. Limite. Hop, hop. Choisissez votre limite. Room scale. Vous allez voir comment je fais les limites quand j'en ai. Quand je suis en mode totalement balèque. Titi. Ti. Alors attends, où c'est qu'elle est là-bas, elle va passer. Pop. Si vous voulez d'ailleurs tracer une ligne droite avec vos limites, vous voyez là, je suppose, ouais. Il faut peindre, vous savez, vous donnez un coup de pinceau comme ça, au bas, et vous avez vu, la ligne droite se dessine là-bas. Tac, tac, tac. Je vais faire ici pareil, ou peut-être ici, ce sera plus facile à voir. Quand je vais arriver à la limite là-bas, si je vais dessiner une ligne droite, vous voyez, regardez, je fais au bas ici. Avant-arrière, comme vous voulez, gâche. Et je peins. Comme ça, j'avance. Je vais chercher mon maximum là-bas. Voilà. Et je continue comme ça. Et hop. Hop, 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 hop. Hop. Voilà. Ça, c'était pour ceux qui veulent faire un carré de 10 par 10. Et bien droit. Voilà. Etc. Etc. Bon, je ne vais pas le faire plus. Confirmé. Où on en était donc là? Ah oui, on en était en mode allongé, c'est ça. J'ai plus le chat, mais c'est pas grave. Alors, attends, je vais regarder si vous verrez, si vous voyez bien. Voilà. Voilà. Donc, bah, tant mieux si j'ai appris pour les limites. Vous savez, vous pouvez aller à 10 sur 10. Bon, là, je suis allongé. Bien sûr, si je lance un jeu, c'est embêtant parce qu'il va falloir que je fasse ça pour ramener le menu. Mais là, je n'ai pas le mode allongé activé, hein. Et donc, si je lance par exemple un jeu comme
Est-ce que j'ai installé. Alors, pas Beat Saber, s'il va nous péter les cocognettes. Tiens, Majo. Lancer, tiens, VR Skater. Puisqu'il est sorti cette semaine, donc c'est la version, bien sûr, Quest 3. Il était déjà sorti en PC VR. Voilà, si je veux jouer à un jeu comme ça. Bon, là, ça n'a pas trop de sens, hein, mais c'est pas grave. Je suis donc allongé, comme vous le voyez. Voilà, bien allongé. Pour ceux qui en douteraient, je vais me tourner comme ça. Voilà. Il se passe absolument rien. Calibration. Alors, ça n'a aucun sens, je vous l'accorde. Mais je ne pourrais pas jouer parce que je suis orienté vers le haut. Pas possible de jouer, j'ai besoin de voir en bas. Un peu comme si je voulais jouer à Beat Saber. Et du coup, il faut que je fasse comme ça. Voilà. Ah oui, pick up your board. Voilà. Et ensuite, pousser pour vous téléporter. Bon, vous l'avez compris, c'est pas simple. Qu'est-ce qui se passe là? Faut que je le pose. Ah, voilà. Bon, bref, vous avez bien compris que ce jeu, ça n'a pas de sens de le faire même en allongé couché. Mais vous avez compris que c'est pas facile de jouer avec un jeu quand on est couché. Donc, sans le mode couché, on peut visionner des films. Il suffit de ramener son espace ici, par exemple. Vous allez lancer YouTube. Par exemple, je vais lancer YouTube ici. Voilà. Et pim. Pim. Non, je ne vais pas le lancer en 360. Je veux le lancer en mode standard. Pardon. Voilà. Bah, je vais vous le faire comme ça. Et je vais passer en mode application. Voilà. Comme ça. Je vais agrandir. Voilà, je suis en train de regarder mon YouTube. Donc ça, je peux faire ce que je veux. Si je suis allongé là, je me le mets, je suis super nickel. Je n'ai pas besoin d'un mode allongé pour tout ce qui est application, navigateur, etc. Je peux le mettre où je veux, comme je veux. Je peux même ouvrir plusieurs fenêtres. Regardez, ici, je vais ouvrir le navigateur là. Voilà, je peux garder ça. Je peux mettre ça ici. Je peux regarder là, Titien, qu'est-ce que tu... Bon, bref, je vis ma vie allongée. Ça marche. Pour les jeux, c'est moins drôle. Pour les jeux, c'est moins drôle. Et de fait, ils ont rajouté ceci. Pour les gens carrément couchés, je vais mettre les pieds sur le truc là. Voilà. Allez, c'est bien comme ça. Voilà. Allez, comme ça. Là, on va voir ce que ça donne. C'est une première. Non, je déconne parce que le mode couché, il existait déjà il y a quelque temps en arrière. Trouver une position stable et confortable et regarder vers le haut. Ensuite, appuyer longuement sur menu pour recentrer votre vue. Cette fonctionnalité est destinée aux expériences de faible intensité qui ne nécessitent pas beaucoup de mouvement. Eh ben voilà. Ah ouais. Et comme je vous l'expliquais la dernière fois, alors attendez. Ah, c'est chaud. Oups, j'ai perdu ma batterie. Trop bien. Voilà. Là, j'ai le sol qui est perpendiculaire à mon corps comme si j'étais debout. Mais comme je ne suis pas bien couché, ça ne va pas le faire. Alors je vais peut-être faire comme ça. Voilà. C'est peut-être pas aussi parlant que si j'étais vraiment couché. Mais voilà. Et là, donc je vais pouvoir jouer au jeu tout à fait normalement. Alors est-ce que j'ai par exemple Beat Saber? Non. Qu'est-ce que j'ai comme jeu qui pourrait être parlant comme ça? Bah tiens, Tiny Archers, pardon. Voilà, et là, je vais pouvoir jouer couché dans un lit et profiter des jeux comme si j'étais debout, mais en étant couché. Très pratique pour les gens qui sont alités, quelles que soient les raisons, tant qu'ils ont effectivement la possibilité d'utiliser leurs mains, les contrôleurs et jouer tranquillement. Et ben voilà, c'est une solution. Et donc là, on déplace en fait le sol à la hauteur de ses pieds, tu vois ce que je veux dire? Alors que si j'étais assis normalement, voyez, vous comprenez, au cas où vous n'ayez pas compris. Vous voyez, là, j'ai le sol, je suis né par terre, quoi. Parce qu'en fait, le jeu, le sol est venu à cet endroit-là. Ce qui fait que je vais pouvoir effectivement. Oups. Voilà, jouer avec mon jeu comme si j'étais debout. Voilà. Alors, tous les jeux ne sont pas, on est bien d'accord, ne se prêtent pas forcément à cet exploit. Mais pourquoi pas? Allez, hop, faut que je chope un poisson. Allez, viens, viens. T'es là-bas, toi. Pour bon, toi, déjà toi. Hop.
Hop, hop, hop. Où il est le poids? Oh, je l'ai loupé, sa grand-mère. Non, mais progéniture. Hop. Allez, tiens, dans ta tête. Oh, je l'ai encore loupé. Voilà. Donc là, vous voyez, on peut jouer en étant allongé. C'est quand même énorme pour les gens qui sont coincés dans cette position-là. Je t'ai raté. Je sais pas. Ce qui, je le rappelle, serait totalement impossible si le sol était comme d'habitude, puisque moi, je serais comme ça. Il faudrait que je fasse. Ce ne serait pas trop possible. Ce que je veux dire. Ok, à la différence de là où j'ai accès comme si j'étais debout. Voilà. Tu fais plaisir là. Tiens, vas-y, sors le poisson, viens, viens. Ah, oh, je l'ai raté. Oh, lui aussi, je l'ai raté. Voilà. Vous avez compris le principe? Alors, voilà, je me remets en position standard. Waouh! Oh, je viens de me défoncer le dos. Là, il est peut-être un peu trop standard, là. Voilà. Je rappuie sur le bouton pour me remettre le sol au sol. Au passage, je désactive le mode allongé parce que j'en ai pas besoin. Voilà, et je recentre. Et là, tout se remet dans l'ordre. Je suis prêt à continuer. Est-ce que tout le monde a bien vu? Ah, ça aurait été plus parlant avec un jeu de caisse. Bon, écoute, ouais, je peux te le remontrer si tu veux. Regarde, on va aller chercher un jeu plus parlant. Regarde, moi, pour moi, le jeu le plus parlant. Alors, attends. Voilà. Je m'allonge bien. Alors. Moi. J'en serais bien un ping-pong, mais ça le ferait pas. Alors, attends, regarde. Va falloir que je coupe le son. Non, je suis mort. Eh bien, regarde, je suis allongé, je ne peux pas jouer à Beat Saber. Je fais ça, ou je peux jouer à Beat Saber. Regarde. Enfin, mon Dieu, je l'ai mis en normal. Non. Allez, c'est pas grave. Et là, je peux jouer à Beat Saber en étant allongé. Et ça vaut de l'or. Voilà. Ouais, en normal, c'est lent. Hein. Ouh. Ouais, du sport dans le lit quand même. Hein. Voilà. Ok, je pense que là, c'est suffisamment parlant. Voilà, par rapport à Beat Saber, par exemple, si j'étais assis normalement, voilà, et ça serait comme ça, et je ne pourrais que difficilement jouer en étant couché. D'accord? Là, je pense que c'est suffisamment parlant. Et quand même pas ça, hein? Voilà, ok? Alors que là, pépère, tranquille. Je peux même accéder au menu sans avoir à bouger la tête. Je suis le roi du monde. Voilà, fin de l'histoire. Bingo, adjugé, vendu. Je me remets au sol. Je décanille les paramètres
pour pouvoir recentrer le casque normalement. Voilà. Ben, c'est mieux comme ça. Shogame qui nous dit, il faudra essayer en expert mode, en expert avec Angélique qui dort à côté, Eric. Non, parce que je suis mort si je fais ça. Je suis un homme mort, je te dis tout de suite. Voilà. Bref, voilà, c'était la petite fonctionnalité de la V64. Je vais maintenant vous montrer la fonctionnalité de la V64 qui est non documentée, c'est-à-dire non annoncée. Regardez ici. Donc c'est Luna ici qui nous l'a dit. Voilà. Donc là, il se fait plaisir, hein, regardez, mais on va y arriver doucement. Voilà, regardez. En gros, vous connaissez le principe de la pièce qui est détectée, vous baladez, il scanne votre pièce, il crée les plafonds, il dessine les murs, etc. Ça, c'est ce qui se faisait jusqu'à maintenant. Donc là, il est en train de faire son bureau. Et regardez, il détecte, il essaye, le scan essaye de détecter les objets pour créer les meubles directement, les portes, les fenêtres. Là, par exemple, il a supprimé une porte. Là, il a détecté les bureaux, les armoires, les commodes, etc. C'est assez impressionnant. C'est ce qui était prévu normalement. Alors, il a été un cran plus loin. Dans une salle un peu plus grande. Regardez, un peu plus grande. Oh, j'avais oublié de redresser le siège. Hop. Voilà, regardez un peu. Alors, j'ai regardé ça, bien sûr, ça n'est pas disponible dans la V64 que j'ai. C'est assez magique, non? Salut Lionel H. C'est quand même assez dingue. Donc, le scan se fait et en plus, il essaye de rajouter les meubles. Donc, tout ce qu'ils appellent meubles chez Meta, c'est les fenêtres, les portes. Les armoires, les tables, les chaises, les canapés, le lit. Voilà. OK. Et là, il a sa pièce et il n'a pas eu passer trois plombes à le faire. Voilà. Merci Luna pour cette petite info bien sympa. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Voilà, regardez. Donc, il nous rappelle qu'il y avait posté il y a quelque temps en arrière, bien avant que le Quest 3 sorte. Voilà. Tac. Donc, ça, c'était avant. Bon, The Spatial App, on y reviendra plus tard, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, mais je n'ai pas eu le temps de m'y pencher assez pour pouvoir en parler. Mais voilà une information qui est propre. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà ça. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, bam bam, je vais vous revenir avec ça. Pour l'instant, chez nous, pour ceux qui sont uniquement avec la V64, blablabla, vous allez ici dans espace physique. Vous faites en bas configuration de l'espace. Vous faites configurer. Et là, vous pouvez scanner. Alors, vous scannez votre pièce. Elle va être détectée comme ceci. Et ensuite, il faut ajouter des meubles. Donc là, j'ai ajouté les meubles physiquement. Celui-là, celui-là. J'en ai gardé exprès pour vous le faire avec vous. Ici, par exemple, je vais rajouter. Voilà, là. Hop. Attends, parce que là, du coup, j'ai ça qui me gêne. Voilà, là je vais dire que c'est une déco murale. Voilà, c'est bien, c'est un écran, mais c'est une déco murale. Ici, ah oui, je ne peux pas mettre en biais, c'est ça, c'est nul ça, c'est vrai. Là j'ai l'écran en biais, il ne peut pas. Voilà,
Ah oui, j'ai pas mis ma fenêtre. Alors j'ai pas scanné jusqu'au bout, mais on va dire que ça c'est ma fenêtre. Voilà. Voilà, on va mettre sa fenêtre. Paf, paf. Voilà, c'est tout. Et alors après ce genre de choses, une fois qu'on a scanné sa pièce, voilà, on va la sauvegarder. Ici, c'est ma salle de jeu. Ça peut donner des choses très sympathiques comme celle-là, par exemple. Parce que à quoi ça sert de scanner une pièce? Parce que vous savez qu'il y a, enfin, vous le savez, il y a une incohérence logique entre la caméra réelle, où on peut se déplacer librement sans aucun gardien dans un espace de globalement 315 par 15, 10 par 10 max. Et puis, mais on peut se déplacer, puis dire OK, et se déplacer à l'infini, mais à chaque fois avec un OK pour dire qu'on sort de l'espace. Il y a ensuite le gardien qui permet de jouer en ayant des sécurités au cas où on joue. Et il y a le scan de la pièce. Sauf que le scan de la pièce, il est aussi dépendant du gardien. Je m'explique. Je reviens à comment se passer à l'Obs, par exemple. Je joue sur 300 mètres carrés, mais je peux faire un gardien que de 100 mètres carrés, de 10 par 10. Ben, je suis casse-bonbon. Il y a une astuce, on désactive en mode développeur, blablabla. On se casse les bonbons. Mais pour l'instant, quand je scanne la pièce, il n'est pas capable de dire, OK, tu as scanné la pièce, donc tu la vois, donc tu vas rester dedans. Non, il faut quand même mettre un gardien par-dessus. Ça va être le cas avec Spire 2, etc. Puis ben, un jour, ça va s'aligner. Donc il y a des applications super sympas, comme par exemple. Voilà. Oh, je l'ai pas. Histoire. Attends. Voilà. Ah oui, c'est pas The Rift, c'est The Blue et Ocean Rift. Regardez, je vais démarrer moi. Alors je vous l'avais montré il n'y a pas longtemps pour les habitués, mais ça c'est pour les autres. Voilà, aquarium. Hop. Voilà. Et là, ma pièce étant déjà définie, voilà, je me retrouve dans ma pièce comme si j'étais dans un aquarium, sauf qu'ici. Je vais par exemple dire qu'ici. Oh putain, je suis pas droit. Attends, c'est pas possible ça. Attends. C'est cette histoire de pas droit. Ah, c'est énorme ça. Je suis pas droit. Ben, je connaissais pas ça. Écoutez, on a un petit souci de. Je pense que le mode. Attends, est-ce que le mode coucher est encore activé? Parce que là, c'est quand même chelou, kékette. Bougez pas. Espace expérimental. Ah ouais, c'est ça le truc, il est couché. Alors, attends. Voilà, et là, je vais recentrer. Non mais oh. Hop. Bim. Donc je vais le mettre là. Voilà. Je mets ici, par exemple, qu'il y a un trou. Là, mon truc, je décide que c'est un truc. Là, je vais carrément dire qu'il y a une fenêtre géante. Oups. Je vais carrément définir une fenêtre géante ici. Voilà. Et derrière moi, je vais carrément dire que ce n'est qu'un hublot. Voilà. Voilà. Et comme vous l'avez remarqué, ce genre de truc, je les colle sur les murs qui ont été définis juste avant. Voilà. Pourquoi lui, j'arrive pas à le choper. Ah, il est en dehors du bousin. Bon, c'est pas grave. Allez, tiens. Hop. Voilà. Voilà. Bon, j'ai deux fenêtres, c'est pas grave, c'est le bug du truc de tout à l'heure, du mode couché. Voilà. Oh. Et bien sûr, je peux m'amuser en faisant apparaître le puits au-dessus. Voilà. Donc là, j'ai défini, vous avez vu, le puits très précisément dans mon plafond. C'est quand même ça qui est important. C'est que c'est parfaitement calé sur mon décor. Je peux même changer le style des fenêtres. Ouais. Tiens, je vais prendre des requins, c'est plus drôle. Parce que alors, les requins, on peut leur donner à manger, regardez. Attends, je vais le mettre là. Ce sera peut-être plus simple. Là. Hop. Je donne à manger. Voilà, il est là. Il va. Ah, regarde, il est là. Ah, il est trop beau. Voilà, et je peux changer les fenêtres de forme, bien sûr. Voilà, tac. Où c'est qu'est passé mon truc pour changer les. Ah, le style, voilà. Je peux mettre des hublots, je peux mettre des grilles, je peux mettre des grilles en relief, et mon requin, il doit toujours être par là. Voilà, allez, peut-être le deuxième truc. Bon, bref, vous avez compris, ça c'était vite fait pour montrer à quoi sert de créer une pièce. Eh bien, dans le nouveau système qu'on va avoir, ça se créera tout seul. Voilà. Je continue. Je continue tranquille. Les news du jour.
Alors, je voudrais revenir sur une petite remarque qui m'a été faite sur le YouTube, qui m'intéresse énormément, et ce n'est pas négatif, hein, c'est une vraie remarque, une vraie... Ta-ta-ta. Voilà. Je voulais vous ramener à ça. J'ai derrière moi un commentaire. Alors, c'est sur le précédent live. Paf, paf, je crois que c'est celui-là. Voilà. Et derrière, tais-toi. Voilà. Là, voilà. Hop. Donc, vous avez ce commentaire ici que je vais essayer d'augmenter en taille pour que vous puissiez mieux le voir. Voilà. Alors, il m'a dit, Jean-François Jacob me dit, bonjour, très bon live, cependant attention à ne pas être trop MetaQuest et à ne pas tout mélanger Apple et consorts, c'est un autre marché et monde, à part les addicts d'Apple, et ça c'est marginal, il ne faut pas tout mélanger. Ceci étant, c'est une excellente chose de parler de la XR, Tech, machin, a fait au passage une émission pas mal dessus, mais le danger, entre guillemets, c'est de tout mélanger, les débutants seront perdus. Bref, très bon live, comme toujours. Bravo pour ce travail, Eric, fais un jour un tuto comme faire découvrir la XR. Ah, un live, oui. Un tuto pour faire découvrir la XR, je pense que c'est super efficace. Un ambassadeur, c'est bien. Avoir une communauté d'ambassadeurs, c'est encore mieux. Et cette remarque, elle est super intelligente. Attends, je suis en train de regarder parce que je voudrais bien savoir si je suis bien en phase avec le live parce que blabla, tac tac, on est bien cadré. Voilà, c'est bon. Donc, je remercie déjà Jean-François pour avoir fait ce commentaire parce qu'il est très intéressant. Alors oui, effectivement, effectivement, je suis un peu méta, un peu trop méta, pas dans le choix des matériels, mais dans les news, dans la discussion, dans le truc. Mais c'est parce que c'est ce qui bouge. Oui. Après, quand on parle du Vision Pro, il vaut 4000 boules. On n'est pas dans la même cour, tout à fait vrai. Cependant, et tu l'as fait remarquer très bien, Jean-François, il y a quand même, et même si c'est comment dire, même si c'est marginal, les addicts d'Apple, les fanboys, ils sont fait parler de ce foutu casque en faisant les cons à l'extérieur, en faisant etc. Donc effectivement, on s'est trouvé à en parler et à faire de la vue parce qu'effectivement, et c'est pas négatif, hein, faire de la vue parce que les gens étaient intéressés, ont été intéressés et ils ont par leur comportement certes un peu décérébré parfois attiré l'attention sur la XR. Et ça, c'est intéressant parce que maintenant beaucoup de gens ont comparé quand je leur montrais par exemple ce que faisait un casque, mais ah, c'est un peu comme l'Apple. Ben non, c'est l'inverse. C'est Apple qui fait comme Meta, etc., etc. Ça fait discuter, ça fait découvrir. Et là, j'y viens. Il y a Cannes. Cannes va faire un passage en mode immersif cette année. Il va y avoir un festival sur les films immersifs, si j'ai bien capté. Je regarderai ça après. Donc bref, ça fait parler de l'info, donc c'est bien. Et oui, peut-être que les débutants se perdent, mais j'essaye d'être le plus didactique possible, le plus pédagogue, le plus vulgarisateur possible, quoi que je fasse. Normalement, ça fonctionne plutôt bien, même si peut-être que je me laisse prendre des fois. Ma problématique sur la chaîne, elle est énorme. 4 ans. Octobre de, sept, août, de, septembre 2020. Septembre ou octobre. On est en 2024. Ça fait 4 ans que je fais des vidéos de vulgarisation, des lives. Et donc, j'ai un public, vous, ceux qui nous regardent là à ce moment, qui commence à être formé. Il y en a qui me dépassent, il y en a qui ont plus de choses, il y en a chacun à se spécialiser en ce qu'il veut. Et moi, j'essaie de garder une ligne. Et je reviens régulièrement sur des débutants. Et là, je n'intéresse pas ceux qui sont là depuis longtemps. Si je vais trop loin, je n'intéresse pas les débutants. C'est hyper compliqué à gérer d'arriver à effectivement intéresser tout le monde. Donc, il faut naviguer entre deux. Donc là, oui, je vous l'ai dit la dernière fois, je vais reprendre les bases. J'essaierai de faire des lives généralistes le dimanche. C'est ce que je suis en train de faire là, même si aujourd'hui, je sors d'un week-end où j'étais un peu explosé. Donc, bon, j'avoue, un petit peu flemmard. Mais au-delà de ça,
Les dimanches, je vais garder des lives généralistes et les autres jours, je vais essayer de les spécialiser. Donc, dans les sujets que je vais traiter dans les semaines qui viennent et dans les jours qui viennent, les accessoires du Quest 3, quels sont les accessoires à choisir, etc. Peut-être un rappel sur ceux du Meta Quest 2, après tout. Là aussi, sur Apple, sur Pico, bof, bof, bof. J'ai perdu du temps là-dessus, ça me ferait un plaisir fou si ça intéressait du monde. Maintenant, voilà, sur celui-là, eh ben, t'es coincé quéquette, hein, t'as ta batterie ici, tu peux pas enlever ce bordel, tu peux y rajouter deux coussins par-ci, par-là, mais rien qui soit sexy, malheureusement, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dès que j'arriverai à mettre les mains sur un Apple, autrement qu'une demi-journée, et merci encore à toi, du coup, sur Fufu, j'essaierai de pousser un petit peu plus loin. On a Matt qui vous donne régulièrement sur son Twitter des infos avec le sur le sur le casque qu'il possède. Malheureusement, ce minou, il veut pas venir en live. Donc, je peux pas le faire venir ici et j'aurais voulu parce qu'on aurait pu faire plein de choses sympas ensemble. Mais c'est un grand timide. Donc, on est obligé de se regarder, de lire et d'interpréter, etc. Il est adorable pour ça. Voilà. Donc, j'essaye de faire plaisir. Et non, je ne mélange pas l'Apple Vision Pro avec les autres, sauf que si. Je suis malheureusement obligé de le faire de par le fait même qu'il a été mis en avant par ses addicts, ses fanboys décérébrés parfois, pas tous, loin de là, attention, hein. Prenez pas ça, prenez ça au troisième degré. Mais voilà, c'est pour ça qu'il revient. Et puis c'est un sujet qui intéresse et puis ça fait rêver. Si je te fais une présentation sur Automoto d'une Clio. Enfin, c'est ce que j'ai souvent comme exemple de la Clio de base, même d'une Clio RS, et que je te fais un petit reportage sur une Lambo, c'est pas la Clio RS que tu vas retenir, quoi. Tu as envie de voir la Lambo, même si tu n'as pas les moyens de te la payer, et justement parce que tu n'as pas les moyens de te la payer, tu as envie de la voir. Voilà, donc c'était pour répondre à la question et à la remarque très intéressante et très constructive de Jean-François Jacob. Mais oui, l'un des prochains lives donc, qui va venir, c'est l'AR, la VR, la XR, c'est quoi? Je vous en ai déjà fait, j'ai déjà fait des interventions là-dessus. D'ailleurs, Jean-François, le problème, c'est qu'elles sont perdues dans mes lives. Je vous l'accorde, je vous l'accorde. C'est pas facile à retrouver. Même moi, je ne m'y retrouve plus. Tout de suite, je ne sais plus ce que j'ai dit dans les lives. Je commence à perdre un peu le fil. Je pense qu'on ne doit pas être loin de 300, voire plus en live. Ça commence à devenir difficile de tout garder là-dedans. Voilà. Et deuxième question à laquelle je voulais répondre, Ultra 5271, qui a dit, j'ai acheté le PC, le Quest 2 à la base pour jouer uniquement en PC VR. Je viens de craquer plus de 110 balles pour acheter des câbles ligne conseillés par des youtubeurs. Aucun n'affiche ce putain de 3-0. J'ai tout fait. J'ai passé des jours sur toutes sortes de tutos, ma développeur, j'ai envie de me... Et il s'est arrêté là. Donc, ma communauté, vous êtes adorables. D'ailleurs, vous êtes toujours connectés, les gars, parce que je ne vois pas de réponse sur le chat, donc je m'inquiète toujours un petit peu. Voilà. Mais c'était au cas où le chat ne soit pas déconnecté. Juste pour savoir, si vous laissez un petit message, ça fera plaisir. Génial. Donc, voilà. Ce que j'aimerais, c'est que on retrouve ici sur le chat, ce qu'on retrouve ici sur le chat, la bienveillance, la même sur les réponses qu'il y a dans les commentaires. Et là, j'en ai un ou deux qui sont quand même pas sympa, sympa. Bigounet51 qui dit, je rajouterai que si tu as un problème et que tu n'arrives pas à résoudre ton problème, c'est que tu fais certainement partie de ton problème. C'est taquin. J'adore, mais c'est quand même taquin. Voilà. Après, il y a eu des belles réponses. Il y en a un qui lui a dit, achète-toi un Quest 3 et 4090. Il mériterait qu'on fasse supprimer, mais bon. Et voilà, je lui demande pourquoi utiliser un fil. Voilà. Et là, il me dit, parce qu'on m'a dit que c'était mieux, etc. Donc déjà, pour ceux qui voudraient faire du PCVR avec leur Quest 2 ou leur Quest 3,
Je vous rappelle qu'il y a deux tutos qui sont obsolètes sur les versions, mais qui sont toujours d'actualité pour le principe. Vous avez Virtual Desktop pour les nuls. Vous trouverez la version, si vous tapez ça sur Google, vous trouverez la version papier, enfin la version écrite sur Gamergen et la version vidéo. Vous avez AirLink pour les nuls. Donc AirLink ou Oculus Link, hein, fil ou sans fil, c'est exactement la même techno. Et avec ça, vous avez vos bases. Vous avez les bases pour apprendre à comment ça fonctionne. Et normalement, tout le monde y est arrivé avec ça. Il n'y a pas de raison que ça ne vous arrive pas. Et si jamais ça vous intéresse, c'est un des sujets que je pourrais reprendre à zéro dans un live du mercredi ou du vendredi avec les lives à thématique. Voilà. Et là, on nous dit sur DCS, il vaut mieux le filaire. Depuis la V63, ça marche mieux en filaire qu'en Wi-Fi avec Virtual Desktop. Le gap est énorme. Confirmez-moi dans les commentaires si jamais vous avez remarqué ça. Pour l'instant, moi, ça ne m'a pas parlé. Je suis toujours sans fil et ça va très bien. Alors, Tony de la Vega nous dit, sais-tu ce qu'est la SW? Car sur certains jeux en nomade, il s'active seul, Underdogs, Powerwash, et ça me bride des FPS par deux. J'aimerais supprimer cette feature. Merci. Alors, c'est la Synchronus machin. Ça permet. Alors, attends. La Synchronus, ouais, Warp machin. Alors, je t'explique le principe de la SW. Ça permet de calculer logiquement une image. Entre deux, d'intégrer une image entre deux, c'est-à-dire que au lieu de le casque, enfin le jeu, au lieu de balancer du 90 FPS qui serait peut-être pas capable de balancer parce que il y a trop de détails, trop de machin, etc., va se brider à 45 et de façon logicielle, miraculeusement, va remonter à 90. Donc une image sur deux est calculée par le logiciel. Donc interprété, on va dire en français dans le texte. Donc, ça permet tout simplement d'avoir normalement une meilleure fluidité. D'accord? Donc c'est ça l'idée. Salut Toyo. Gilles Perrault nous dit DCS en Wi-Fi, je ne dépasse plus les 40 FPS depuis la V63. D'accord, bah écoute, au moins tu bigounais 51, tu viens de le. Tu valides ce qu'il nous dit. Donc la SW, est-ce qu'on peut le désactiver? Alors, c'est une bonne question. Normalement, il devrait être désactivable. Salut, tu as 100 balles pour son câble Wi-Fi Link, ça fait mal. C'est le prix, hein. Le prix du câble officiel. Alors, c'est rigolo parce que le câble, c'est toujours le même hein, que Quest 2, Quest 3, c'est le même. Mais celui du Quest 2, il est gros comme ça, il vaut 99 balles. Et la boîte du même, pardon, pour le Quest 2, et le même en Quest 3, il a une toute petite boîte parce qu'il faut maintenant réduire les emballages pour la pollution. Pour gérer les ressources et tout ça. Donc, ils ont réemballé le même. Ok, donc malheureusement c'est le prix. Après vous prenez n'importe quel câble 3.x sur Amazon de 5 mètres et ça ira très très bien. Je ne sais même pas si vous avez parlé en dessous. Je ne m'en rappelle plus. Alors attendez, je vais revenir. Hop 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 hop, je reviens en grand. Voilà et je vais donc vous montrer rapidement les accessoires que je vais tester dans les jours qui viennent, c'est-à-dire pour la semaine prochaine très précisément. Allez, c'est parti, c'est le moment des accessoires. Vous allez kiffer. Mesdames et messieurs, je vous ai déjà montré maintes fois, mais je vous les remontre encore une fois. Vous avez les Ultimate PPP, donc Ping-pong pad de notre ami Ultimate 3D, là,
Voilà, ça permet de jouer au ping-pong avec sa manette. Je trouve une manette. Donc ça, je vous ai déjà fait le test, mais c'est juste pour rappel. Voilà, ça vous permet de jouer au ping-pong avec la manette comme ceci. OK? Alors pour moi, c'est plus possible parce que les manettes comme ça me fatiguent le poignet. Je joue beaucoup et ça fatigue beaucoup le poignet. Donc je ne vous conseille pas celle-là. Non, je vous conseille celle-là. J'en ai deux exemplaires ici. Ouais. Ah, oui, deuxième. Où j'ai mis le deuxième? Ben, il doit être là. Voilà. J'en ai deux exemplaires. Regardez. Voici le premier avec ici. Quand la caméra voudra bien, un petit logo, enfin le petit nom gamergen.com, c'est personnalisé. Ok. Vous avez ici le mien avec mon pseudo. Voilà, magicien. Trop beau, hein? Et là, cette fois-ci, la manette, elle se trouve comme ceci. Là, je laisse la sangle, mais en réalité, il n'y a pas besoin. Voilà. Hop. Elle se joue comme ça. Et là. Vous êtes en face, c'est-à-dire que là, vous avez le poids au bon endroit. Le poignet ne se fatigue pas latéralement de façon. C'est incontournable. Ici, j'ai rajouté du grip, bien sûr. Voilà, pour que la tenue soit plus agréable. C'est indispensable. Les gars. Donc ça, c'est la base pour moi, techniquement. Salut, salut, tueur. C'est la base pour le ping-pong. Mais pendant que j'y étais, vu que j'ai recommandé des cassettes, alors je vais vous expliquer pourquoi j'en ai recommandé. C'est parce que la manette, je l'ai cassée en tapant contre une table en métal. Donc la table a gagné. Et ma deuxième verte comme ça, je me suis énervé parce qu'elle me faisait les paires de tracking et elle m'a énervé celle-là et je l'ai explosée par terre. La manette a résisté, le pad non. Voilà. Ensuite, voici le modèle. Ah, attendez, hop, hop, hop. Voici le modèle pour jouer au tennis ou au paddle. D'accord? Terrible. Vraiment terrible pour moi. OK? Pareil avec du grip ici. Alors, cette fois-ci, non personnalisé, il n'y a pas la place. Simplement, là, le grip, il a été installé directement pour une petite. Pour le prix, choisissez l'option grip. Honnêtement, il le fait vachement mieux que moi. Et nous avons ici celui-ci qui accessoirement peut servir. Et moi, je m'en suis servi pour ça pour l'instant. En plus, c'est génial. Regardez, vous avez ici les petites vis qui vont bien. Voilà. Hop, hop, hop. Je vais vous mettre là. Allez, dépêche-toi. Mais ça, je vous ferai un test complet parce que là, je n'ai pas eu le temps encore de m'y atteler. Alors, attends. Hop. Voilà. Bref, là je le mets n'importe comment, c'est pas grave, vous comprendrez très bien ce que ça veut faire. Voilà. Voilà, très agréable à tenir en main. Et globalement pareil. Et aussi, moi je m'en suis servi pour le golf. Une tuerie. Voilà. Donc paddle, tennis, là vraiment on a ce qu'il faut et le golf. Voilà. Alors, ces manettes fonctionnent, sont montées pour le Quest 3. Est-ce qu'elles fonctionnent pour le Quest Pro? Je dirais sans doute. Faudrait voir. J'essaierai, Matt. J'essaierai, Matt. Je ne me suis pas posé la question, mais dans le test, je rajouterai ça. Je rajouterai effectivement ça. Merci de m'avoir donné l'idée. Je n'y aurais pas pensé. Première étape. Deuxième chose que je vais tester, mais ça, vous les connaissez, c'est les manettes. C'est les supports de manette. Pardon, les grips. Les grip covers pour le Quest 3 de chez AMVR. Je ne peux que vous les conseiller. Voilà. Ils sont en trois parties. Donc le caoutchouc. La sangle. Pardon, le cover. Ah zut, le couvercle. Avec la possibilité de retirer la pile, complètement con, hein, ça sert strictement à rien. Mettez un truc là pour tirer, c'est très désagréable. Par contre,
Vous voyez, l'ouverture ici pour la batterie, je trouve ça toujours aussi con. Malheureusement, ils ne les font pas sans. Voilà, donc je pose ceci ici. Voilà, et là, on est bien protégé. Honnêtement, ça fait des mois que enfin, depuis la sortie que j'utilise, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. On peut tenir la main, etc. Mais regardez, quand je l'enlève ensuite, regardez, le système, le bloc là, le bloc en plastique, ça part. S'enlève, on peut changer la pile directement, on le remet, ça prend moins de 30 secondes de changer une pile. Voilà, c'est pas la peine d'aller s'emmerdouiller avec le système. Voilà, donc j'ai ça. Ça, c'est hyper pratique. C'est en tout cas pour l'animation, ça, c'est pratique. Je viens de recevoir ceci. Voilà, alors là, cette fois-ci, ce sont des grips, mais sans protection de la manette. C'est vrai que ça n'a pas forcément de sens de protéger. La manette, qu'est-ce que j'ai fait? Attends, je vais chercher où c'est que je les ai mis. Ils sont pas là, ils sont pas là. Ils sont. Je regarde ça tout de suite. Les voilà. Allez, je les pose là. Voilà. Donc là, l'avantage, c'est que la manette. Alors, attendez, excusez-moi. La manette reste la manette normale. C'est simplement ça. Là, il y a simplement, voilà, c'est ça qui est vendu. Un couvercle de remplacement. Là, qui permet et de garder la dragonne si vous voulez, mais ça ne sert à rien. Et d'avoir la manette qui tient. Vraiment, et avec un grip très agréable au creux de la main ici. C'est le seul endroit qui touche la main. Voilà. Donc là, honnêtement. Voilà. OK. C'est hyper pratique. Et elles sont un petit peu moins chères. Alors, le prix est discutable, je crois, de mémoire. Il y en a une qui valent 30 balles, l'autre 25 balles. Pour 25 balles, t'as que ça. Pour info, c'est moitié prix par rapport à la même chose chez Meta. OK. Voilà. Donc, ça, c'est l'accessoire que je testerai donc cette semaine. Voilà. J'espère que ça va aller, hein, parce que vous voyez, je suis là. Je suis en train d'équiper tous mes quests, vous voyez. Voilà, ça c'est bien. J'arrive enfin à ce qui est intéressant et qui va vous plaire. Je vous parlerai du strap original, mais je l'ai déjà fait. Le strap original, au cas où vous auriez obligé avec la batterie. Ah, il faut pas que je perde les trucs. Voilà, qui ressemble à ça. Donc, qui est très fin à l'arrière, au passage. Avec une roulette qui est très agréable à manipuler. Voilà, il n'est pas épais. Il double à peine la durée du quest, c'est dommage. Voilà, mais je vais surtout vous parler. Ouais. Du C2. C'est-à-dire, en gros, une batterie, on vous a fait le test déjà, mais là, je ne vous l'ai jamais montré, moi perso. Une strap un peu équivalente à celle d'origine, donc au Elite, mais avec une batterie de 8000, cette fois-ci, quasiment presque, pas le double, non, mais 40% de plus, 5000, 4500, ouais, presque le double. Et avec des jolis LED à l'arrière, vous voyez, voilà. Beaucoup moins cher. OK. Et enfin, la découverte de l'un d'entre vous, hein, c'était Stéphane, je ne rappelle plus son nom, tu m'en voudras pas. C'est la Caca. Ils ont toujours des noms, hein, Bobo VR. Et là, c'est Caca Cop VR Q3 Pro. Regardez bien, là, il y a bien marqué Q3 Pro. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il a une batterie interchangeable. Alors, quand les constructeurs chinois comment dire, s'entrecopient, ça va. Et je vous le montre en entier, celui-là. Voilà. Regardez la jolie batterie. Allez. Elle ne vous rappelle rien, mais en noir. Voilà, avec pas du tout le même système de fixation. Vous
Et beaucoup plus puissante aussi en termes de capacité. Voilà. Alors, il y a plein d'accessoires. Hein. Ils ont plein, plein d'accessoires. Mais celui-là étant le mieux parce que il est exactement identique au système de la Bobo VR M3 avec un halo. Voilà. Donc, à partir de là, on est sur la concurrente directe de celle-là. Et pour quasiment 15, 10 ou 15 balles de moins. Mine de rien, ça compte. Au prix des batteries en plus. Voilà. Et donc, alors, à voir comment ça marche. Tout ça, parce qu'il faut la monter, bien sûr. Elle n'est pas complète. Tout le système d'accroche de la batterie est là. Avec, regardez, ça se vient se coller, ça vient se coller, alors attends, que je ne dise pas de bêtises, comme ceci, voilà. Hop. Attends, hop, hop, hop. Mais je vous montrerai ça plus en avant les autres fois, voilà. Voilà. Le fil, ah, j'aurais dû le passer avant. Eric, 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 hop, le fil. Allez, passe, passe de force, passe. Bon, je vais te décrocher. Voilà. Note pour plus tard. Voilà, pas faire n'importe quoi. Tu l'envoies sur le côté du casque. La batterie, tu la colles ici. Il y a un aimant aussi. Et voilà, elle tient sur l'arrière. Regardez. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Voilà. Et vous verrez qu'elle a en plus des petites options ici, la manette pour regarder, avancer et reculer le casque devant sans avoir à glisser comme c'est le cas sur la Bobo VR où on l'a proxé approximatif. On me dit souvent tu l'as, elle est de travers ta truc, etc. Là, c'est plutôt propre. Voilà, mine de rien. Elle a l'air pas mal, mais je vous en parlerai mieux quand je l'aurai testée une petite semaine, c'est-à-dire la semaine d'ici la semaine prochaine. Voilà, vous avez le programme des semaines qui viennent. Je pense qu'il y a de quoi faire avec tout ça. OK? Voilà. Alors, papapap. Ok, alors, je vois si vous avez des questions au passage. Top chat. Je passe sur le mode question. Ah, question intéressante. C'est moi ou j'entends, ou je t'entends très mal par rapport à d'habitude, me dit Vincent Dulot. J'ai posé la question au départ, avant de lancer le chat, je vous ai demandé si le son était bon. Vous m'avez répondu oui. Confirmez-moi que vous êtes tous bons et que c'est juste Vincent qui m'entend mal et non pas l'inverse. Ok. C'est vrai que j'ai les micros vers le bas, par contre. C'est vrai. Allez. On va essayer de les redresser. Tiens, je vais les mettre là. Regarde. Pour te faire plaisir, ça devrait être mieux. Voilà. Et voilà, là le son devrait être un peu mieux. Oui, alors c'est un petit peu plus bas que d'habitude. C'est pas faux. J'ai pas monté le son exprès. Un peu faible. Ah bah il suffisait de le dire. Alors, bougez pas. Bam bam. C'est pour ça que je vous demande avant, les gars. Alors, bougez pas. Hop, hop, hop. Hop. Voilà. Je regarde un petit peu si ça a monté le son. Hop, 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 hop. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est un peu plus fort comme ça? Voilà. C'est mieux? Pas mieux? Dites-moi. C'est vous qui dites. Ok. Alors, je continue. Vous me direz, ça va pas. Le temps que comme ça évite de traîner trop. Inutilement en attendant. Voilà.
Donc là, honnêtement, au niveau accessoires, j'en ai plein pour la semaine. On va pouvoir s'amuser. Le live qu'on fera la semaine prochaine va être terrible parce qu'on a de quoi s'amuser. Et j'avoue que certains m'ont intéressé. L'avantage, c'est que je vais pouvoir les essayer. Vu que j'ai le nombre de casques que j'ai, je vais pouvoir les essayer les uns derrière les autres, donc avoir une impression directe. Et voilà, je pense que ça va être plutôt sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus qui est sorti? Nous avons Exocar, oui, Exocar. Alors attendez, Exocar qui est un jeu de bagnole. Attendez, excusez-moi, le temps de retourner sur ma liste. Hop, hop, hop. Voilà. Au passage, je vous mets un lien ici pour moins 25%. Ah putain, le lien est trop long. Putain, sa grand-mère. Pardon. Ah là là. Ah, je peux pas. C'est pas grave. Ok, je continue. Allez, tac, tac. Je descends, je descends, je descends. Voilà. Il arrive sur Steam incessamment sous peu. Vingt heures la conférence Pimax The One. 20 h. Voilà. Il arrive Exocars. Tac, tac, tac. Prochainement, liste de souhaits, vous pouvez l'ajouter. Tiens, je vais le faire moi. Ah oui, je ne suis pas connecté, c'est pas grave. C'est pas grave, on va rester non connecté. En solo, joueur contre joueur en ligne. OK. Et pourquoi pas? Moi, je dis pourquoi pas? Pourquoi pas? Je kiffe les jeux avec des véhicules comme ça adéquats. J'adore ça. J'adore ça. Voilà. Donc, bam, bam, bam. À voir, à voir. J'aimerais bien qu'ils sortent un peu un jeu comme ça en autonome, mais c'est un petit peu plus compliqué, faut le croire. Blablabla. Il y a Toy Trains qui nous permet aussi. Pardon. Il y a Toy Trains qui sort. Enfin, qui est sorti déjà longtemps, mais qui reçoit des nouveaux niveaux, un mode sandbox et plein de petites nouveautés. Donc cette semaine, enfin la semaine qui vient là, j'avais adoré le jeu, je vous l'avais montré, vous avez trouvé ça plutôt cool. Donc il reçoit une mise à jour gratos, quand c'est gratos, faut pas s'en priver. Qu'y a-t-il d'autre aussi? Il y a... Ah ouais, ça aussi c'est une tuerie. Regardez. Regardez ça. Alors j'ai coupé le son, hein, je suis désolé. Voilà. Donc pour le jeu Drums, vous avez les légendes du rock qui débarquent. C'est un DLC, vous allez voir. Alors j'adore ce genre de jeu perso, je suis pas bon et ce qui me frustre c'est de voir les mecs ce qu'ils font avec, c'est impressionnant. Hard Rock Legends, donc un nouveau pack additionnel, si ça vous intéresse. Voilà. Tout simplement. C'est là. Voilà, ça c'est fait. Alors attends, ça je vais l'enlever. Tout ce que j'ai déjà fait, hop, je l'enlève. Se déplacer dans la corbeille. Bleu. Ok. Botanical Garden. Non, ça on s'en fout. Toy Train. Allez, hop, poubelle. Il y a V-Rider aussi qui fait parler de lui. Regardez si c'est pas beau. Voilà. V-Rider qui amène donc le Superbike World Championship to VR. Et ça sera maintenant. C'est déjà disponible en Early Access sur l'App Lab. Allez, on va aller jeter un petit coup d'œil chez nos amis d'Upload VR. Voilà.
Hop, hop, hop. Je sens que vous allez aller le voir. Hein. Nya, nya, nya. Le Quest App Lab, c'est là. Voilà. Alors, nous, on va choisir le français, tant qu'à faire. Et voilà. Et il vaut 20 balles, même en accès. Et je vais le télécharger depuis mon Quest et vous le montrer avant de partir ce soir. Alors, on va tenter sur celui-là. Voilà. On va essayer celui-là. Hop. On va l'installer sur celui-là. Hop. Comme ça, on verra bien sur lequel il arrive en premier. Voilà. Ok, ça c'est fait. Donc, là, il y a un bug. Qu'est-ce qu'il y a comme bug? Non, c'est pas un bug de moi. Alors, voilà. Donc, V-Rider, on va regarder ce que ça donne. Après, en moto, en VR, ça risque de faire mal. Eh, hey, si c'est du. C'est l'autonome, c'est pas dégueulasse, hein. Ok, bah, mais vous avez vu, alors je vous redonnerai le lien avec les 25%. Si j'arrive à les avoir, je vous le donnerai tout à l'heure. Sinon, le lien direct sans les 25%, il est là. JDVR Play, salut. Est-ce que l'on peut regarder une vidéo couchée sur le côté? Alors, oui. Je vais te montrer ça de façon très simple. Alors, en vidéo, alors tu n'étais peut-être pas là tout à l'heure, hein, je suppose que oui, sinon tu l'aurais peut-être vu. Donc là, je vais te le remontrer directement. Voilà, regardons, regardons. Première étape. Est-ce que le jeu de moto est arrivé? Oui, il est en train de s'installer. 119 mégas, 188. Ok. Alors, est-ce que vous voyez l'image? Mais oui. Alors, pardon. Donc, JDVR, on y va. Regarde. Je vais donc m'allonger. Là, je ne parle pas de mode allongé, là. Là, je parle utilisation du casque habituel. Donc, je suis couché sur le dos. J'appuie ici. Juste en appuyant sur le bouton de recentrage, l'écran monte en haut, enfin monte là-haut. De fait, je peux donc aller regarder n'importe quoi, mon YouTube par exemple. Je vais pas te faire le plus. Ça, c'est ton écran télé. Ok. Ça marche avec tout ce qui est sur le navigateur pour gagner du temps. Maintenant, pour une raison X ou Y, tu veux être couché sur le côté. C'est plutôt ma tenue aussi. Je vais me coucher sur le côté. Et ben voilà, je me tourne sur le côté et je rappuie sur le bouton. Et l'image vient se mettre juste à côté de moi et tu peux t'amuser à régler la distance, à régler directement en prenant tout simplement le petit trait en bas et avec ton index. Tu peux aussi le faire avec la main. Si par hasard, tu n'as pas la manette, ça fonctionnera. Là, bien sûr, les mains ne peuvent pas. Attends, peut-être en faisant ça. Non, j'ai pas activé l'option. Voilà, donc tu peux regarder sur le côté, tranquille. Moi, je fais souvent ça, puisque c'est plutôt ma position, tranquille. Maintenant, qu'est-ce que ça donne si tu veux pouvoir regarder la télé couchée? Alors là, c'est une très bonne question, je n'ai pas essayé. Mais je suppose que si je me mets comme ça et que je fais ça, regarde, l'écran se met sur le côté. Donc, tu vas dans expérimental, fonctionnalité, expérimental, pardon, utiliser des applications en position couchée. Fais gaffe, par contre, c'est très déstabilisant. Hein. Là, je ne suis pas bien. Hein. Non, je déconne, mais voilà, je vais tomber. Donc, voilà. Donc, soit tu passes en mode, eh ben, j'aligne le sol par rapport à moi et donc je suis couché sur le côté et je regarde, bien sûr. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh, j'ai fait tomber mon capot. Bon, c'est pas très grave. Alors, ça, par contre, ça, une fois sur deux, quand on le remet, ça l'éteint. Voilà. Ok, tranquille. Soit tu fais avec le mode couché, donc comme je le disais il y a 30 secondes.
Voilà, c'est bien, c'est surprenant, je ne suis pas habitué, moi j'ai vraiment l'impression de tomber. Et soit tu l'enlèves et à ce moment-là tu le regardes en mode comme s'il était posé sur ton armoire en face, enfin le meuble télé, etc. et que tu es couché sur ton canapé. Voilà, je pense avoir répondu à ta question, monsieur. Voilà, tu as les deux options. C'est exactement le genre de truc. Voilà. Hop, 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 hop. Ouais, il y a des chances, ça fait vraiment bizarre hein, d'avoir la télé dans le sens où tu regardes. Je ne veux pas te mentir, ça m'a fait tout drôle. Donc voilà, bah c'est ça le live, c'est comme ça qu'on avance. Donc V-Rider, dans quelques secondes, je vais vous le montrer. Alors, oui, je reviens à ça de suite. Je vais regarder si V-Rider est maintenant installé. Et après, la 8K, Nicolas, j'en ai parlé. La 8K dans YouTube, j'en ai parlé vendredi soir. Mais je peux bien sûr revenir dessus parce que j'en ai fait qu'en parler, j'ai pas montré. Voilà. Et on se tape V-Rider SBK. Ça le fait, non? Attends, je vais regarder. Est-ce qu'on voit bien l'image, les loulous? Est-ce qu'on voit bien l'image? Autorisé. Pourquoi on ne voit pas l'image? Eh bien, parce que je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Voilà. Regardons ensemble. Alors, je vais voir s'il y a de la musique. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Trop bien la moto. Ça mérite quand même du QGO là. Oh putain, il va falloir mettre du QGO. Oh là là. Eh ben, on va démarrer le tutoriel, comme ça on va le faire ensemble, les loulous. Ça va, vous voyez bien? L'image est bonne? Ouais. Oh putain, j'ai un casque sur les yeux au-dessus du casque, je comprends. Voilà. Ah ouais. Ah ouais. Moi, je sens que je vais m'éclater. Peut-être monter un peu le son quand même. Ouais. Bizarre quand même. Faut tenir les manettes en place pendant 5 secondes. C'est en français, vous avez vu? Inclinez votre corps et tournez le guidon vers la droite. C'est moi ou il s'en balèque? Tournez le guidon vers la droite et penchez votre corps. Ouais, tu veux que j'aille jusqu'où, pépère? Oula, attends, je vais recentrer la moto au cas où. Y a un truc que j'ai pas dû comprendre, hein. Tournez le guidon vers la droite. Je peux pas. Ah ouais, d'accord, carrément. Ben, s'il faut faire ça pour tourner, les gars, ça va pas être simple, hein. Allez. Et il veut plus tenir les manettes maintenant. Ah oui, ça peut démarrer. Putain, ça va pas être simple, hein. Je vous le dis honnêtement, c'est pas cool. Et merde! Ouais. Bah, c'est bidon, hein. C'est total bidon là-dessus. Ouais.
verra bien. Ouais, ok, bon. Ouais. Eh ben, dis donc. Ok. On va baisser la tête. Ça y est. Ah, ça le fait quand même. Alors attendez, j'ai eu un petit message. Je vais aller regarder ce que c'est. Hop, petit message. Je te regarde. Si tu n'es pas obligé de te pencher le corps au max, seulement pencher les manettes au max, la moto se couche complètement sur le côté sans déraper. C'est génial. Merci, monsieur Jean-François. Merci beaucoup. Entre-temps, j'avais pigé. Allez, je comprends. Maximum derrière le pare-brise, aborder la ligne droite principale en étant penché derrière le pare-brise, puis atteignez une vitesse de 305 km/h avant la zone cible. J'étais à 305 déjà là. Ah oui, faut que je lâche le frein peut-être. Vous savez que c'est, ça le fait, hein. Ça le fait vraiment, hein. D'accord. J'ai raté, non? Rappelle-moi comment il faut que je fasse. Maintenez la vitesse entre 120 et 160 km/h pendant 8 secondes. Ah, entre 120 et 160, d'accord. Impression de ne pas avancer, les gars. C'est plus la même, là. Bon, on a vu, je pense que c'est pas la peine de continuer plus longtemps. Je pense que c'est pas dégueu. Ah oui, motoresseur, ouais, tu m'étonnes. Au passage, motoresseur, les gars, c'est sur Fufu qui était dessus. Mais il pourra vous en parler. Attends, réessayez une dernière fois quand même pour la route. Ça va, vous y voyez bien ce que je fais? Ouais. Allez, une dernière fois, parce que je suis vexé là pour le coup. Oh non! Alors, j'arrête, je vais juste essayer un truc. Voilà, hop, hop, source inconnue. Baba, Quest Game Optimizer. Voilà, tac, tac. Reviens ici, autorisé. Reviens ici. Hop, hop, hop. Votre MetaQuest a été mise à jour. Oh là, il y a une faute là. ADB fonctionnel. Hop, hop, hop. Tout recherché. VBiker. C'est V quelque chose. Comment il s'appelle? Bon, en même temps, on s'en fout que je suis con. Hop, hop, hop. V-Rider, putain, c'est ça le truc. Est-ce qu'il démarre avec QGO ou pas?
Il n'a pas démarré avec QGO. Il faudrait que je regarde ça de plus près. Allez. Hop, on va relancer QGO. V Rider. Alors, hop. Profil. Non, ça, on s'en fout. Catégorie. Éditer. Voilà, tac. Il n'a pas de profil encore. Non. Bon, écoutez, on va le monter à. Allez, on va y aller tranquille. 150%, c'est bien. En R, on le laisse par défaut. Very high. Very high. Et dynamique, ça ira très bien. Voilà, bam bam. Allez, démarrer. Ah, c'est déjà mieux. Après, est-ce que ça va tenir en FPS? Non, hein, j'ai balancé tout au maximum comme un gros porc. Voilà. 2572 de base, ça le fait. Allez, je me prépare pour baisser la tête. Allez, on avance. Ça, je regarde le petit message que m'a envoyé Jean-François. As-tu mis l'option de tourner la manette des gaz? C'est vraiment plus agréable que le trigger. Oui, c'est ce que j'ai mis. C'est ce que j'ai mis, Jean-François. Alors, hop, hop, hop. Ah, putain, elle est quand même vachement plus jolie. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle lag? Qu'est-ce que ça lag? J'ai un peu abusé. Hein. Mais bon, c'est normal. J'ai fait n'importe quoi. Course rapide. Allez. Hop, hop, hop. Allez. Allez, on s'en fout. Pourquoi il m'a mis l'accélération sur la gâchette maintenant? Bon, c'est pas bien ça. Et puis les mains? Allez, je sens que je vais aller casser. Oh! Ah ouais! Et les gars, c'est impressionnant. Je veux dire, non, là, ça va pas. Mais moi, la moto, c'est pas mon truc. Hein. Je vous le dis tout de suite. Mais je veux le même en bagnole, quoi. C'est super propre. Et là, c'est mine de rien, c'est super fluide alors que, enfin, je pense qu'il faudrait que je check, mais c'est super fluide alors que je l'ai optimisé. Ouais, ça accroche un peu. Comme un. Ah! Bon, comme un gros bourrin. Mais sincèrement, c'est bon, c'est vide. Mais regardez, les images sont magnifiques. Oh, c'est propre. Oh, je crois que j'ai loupé le tournant. Bon, allez. Ouais, c'est pas fait pour faire de la moto, on le savait, c'est pas neuf. Voilà. Eh ben écoutez les gars, c'est une belle découverte, mine de rien, c'est une jolie découverte, n'est-ce pas? C'est déjà une logie. Bon, je vous ai mis entrée Exocar. Alors ça, je le balance dans la corbeille, je pense qu'on a tout vu là, peu de choses près. Non, j'ai encore plein de trucs, mais je pense qu'on va pas tout faire. Qu'est-ce qu'il nous disait dans le MOS 2 déjà? MOS 2 pour PSVR 2 est en vente jusqu'au 24 avril. Si vous avez joué à MOS 1, c'est l'occasion de découvrir la magie à partir du 24 avril, a priori. Voilà. Ah non, attends, qu'est-ce qu'il nous raconte? Hop. D'accord, il est à 19,99 $ sur. Voilà, alors sur PSVR 2, 19,99 $ tout seul, 31,99 les deux en bundle et 19,99 les deux. Not available for purchase. Ah, j'ai pas rêvé. Ça donc sortira le 24 avril, a priori. Voilà, c'était ça la news. Ok. Ok, je continue. Allez, poubelle, poum. Attends, je continue. Regardez ce qui arrive.
Riven qui débarque, River qui met dans le remake arrive et en VR cette fois. Et ben voilà, il y a le compositeur qui revient, ça va, on va se faire plaisir, je ne sais pas quand il est annoncé. Bla bla bla, bla bla bla, ça date de 1998, ben oui, c'est tranquillement. Ça débarque cette année en 2024. Eh ben écoutez, avec la bande son du mec qui l'a fait à l'origine, voilà, qu'on va pas laisser là du coup parce que... Et c'est bien sûr la suite de Myst. Ouais. Alors on va faire simple, blabla, 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 et blabla, ça c'est sur, bien sûr, sur Upload VR si vous voulez le voir, tout simplement. Bingo et rebingo, hop. En même temps, c'est Myst, c'est pas ma cam, Riven non plus. Faut pas le dire. Hein. Pour rappel, demain soir, c'est 20h. 20h demain soir, on se retrouve pour la conférence Pimax. Pimax, Pimax, Pimax. Ah, mais j'ai oublié de mettre l'image, pardon, fallait me le dire, les gars. Pimax, Pimax, Pimax. Donc ça, c'est demain. Voilà, je créerai un live pour l'occasion. Et il reste maintenant... Allez, j'avais un compteur tout à l'heure, mais il reste un peu moins d'une vingtaine d'heures. Voilà. Allez, on verra ce que ça donne. Je suis pas hypé. Hein. C'est moi ce que m'a sorti... non, je suis pas hypé. Je suis pas du tout hypé. Voilà. Hop, hop, hop. Bam, bam, bam. Et bien sûr, on va parler de Google. Google confirme une annonce en réalité augmentée, donc en XR on va dire, en mai à l'Android XR Reveal. Voilà. Ok. Le 14 mai, voilà, il y aura une annonce. Donc on sait tous plus ou moins que c'est... comment dire ? Que ça sera le casque conjointement fait avec Samsung, si ma mémoire est bonne, j'espère. Voilà. Donc là, on devrait avoir un casque avec un Snapdragon, ça a été confirmé, que ça sera un Snapdragon XR de Gen 2, donc la même chose que le Quest 3. Voilà. Mais ça sera une base légèrement modifiée. Ah, c'est un XR 2 Plus, pardon. Voilà. Et là-dessus, on y va. Bah écoute, Nicolas, si demain tu veux faire la conférence avec moi, tu seras le bienvenu. Il n'y a pas de souci. Si tu veux faire un live avec moi, tu es le bienvenu. Voilà. Alors, Google avait essayé récemment de convaincre Meta de basculer en Android XR, alors que Meta travaille sur son OS depuis des années. C'était quand même une base osée. Mais voilà. Voilà. Pour l'instant, ils se sont envoyés se faire voir et on verra qui gagne, Google, Apple ou Meta. On le saura. En tout cas, nous serons ensemble le 14. Le 14, rappelle-moi la date. Le 14 mai. Le 14 mai, on sera là. On sera là. Alors, demain soir, en Android. Demain soir, c'est Pimax, Nicolas. Et c'est Pimax et c'est à 20h, mais sinon, là, le 14, on ne sait pas. Le 14 mai, on ne sait pas. C'est bientôt. C'est dans un mois. Un peu moins d'un mois. J'ai hâte. Je sens qu'on va encore claquer des ronds. Moi, je vous le dis tout de suite. Je sens. Je ne sais pas pourquoi. Je sens qu'on va claquer des ronds. Petite info. Sans Séville, et c'est Vincent Dulot qui nous l'envoie. Science et Vie a sorti un dossier sur la réalité immersive permet de réduire la douleur chez les patients atteints d'un cancer. Tenez, je vais vous le mettre là pour ceux qui sont intéressés. Voilà, je vous le mets tout de suite. Donc ça, c'est Vincent qui nous l'a ramené. Alors ce genre d'article, honnêtement, c'est pas neuf.
Hein, on l'a déjà vu 50 000 fois. Ce qui m'amuse ici, c'est la réalité virtuelle immersive. La réalité virtuelle immersive en opposition avec quoi? Avec la réalité mixte? Bah oui, ça s'appelle la réalité virtuelle, c'est rigolo. Ça, le côté immersif, on sent l'effet Apple, tu sais, avec sa façon de renommer les trucs, les gens ne savent plus. Voilà, donc en gros, une étude publiée dans le journal Cancer de l'American Cancer Society révèle que des séances de réalité virtuelle immersive de 10 minutes peuvent réduire significativement la douleur chez les patients atteints de cancer. Les patients ayant expérimenté la réalité virtuelle immersive ont ressenti une diminution de la douleur plus importante que ceux utilisant une tablette, avec des effets prolongés jusqu'au lendemain. Cette découverte suggère que la réalité virtuelle immersive pourrait devenir une méthode non médicamenteuse efficace pour gérer la douleur liée au cancer, offrant une alternative ou aux opioïdes. Voilà. Et honnêtement, c'est pas inintéressant, mais alors ce qui est amusant, par contre, c'est de, enfin, pas par rapport au cancer, hein, ça c'est génial, c'est pas la question. Mais la réalité virtuelle immersive, pour pouvoir dire que là, tu es enfermé dans la réalité virtuelle, alors que le mot réalité virtuelle veut déjà dire que tu es enfermé en immersion, contrairement à la réalité mixte. Voilà. Et c'est terrible. Bon, ce n'est que de la sémantique, je vous l'accorde. Je vous invite à lire l'article, il est là. Sinon, vous le trouvez sur mon profil Facebook. Pas. Et je peux pas vous le filer. Putain, le truc est trop long. Alors, attends. Je vais essayer de le diminuer en enlevant tout ce que Facebook a rajouté derrière. Voilà. Je vous le mets là. Voilà. Merci Vincent Dulot pour cet article que j'irai lire tranquillement tout à l'heure avec plus d'attention que je ne l'ai fait là, et je vous en parlerai certainement la prochaine fois. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre sous la main? Et après, on va se coucher parce qu'il est tard, il est 23h17. Je pense qu'on est arrivé au bout des 2 heures, mine de rien, de papotage. Alors, les trains, on les a vus. Ouf. Ah bon, je peux plus mettre dans la corbeille maintenant, c'est super. Hop. Putain, Facebook, ça part en couille, mais d'une force. Alors, juste un petit truc, un projet d'école. Alors, je sais pas où je suis tombé là-dessus, je me rappelle plus. Du tout. J'ai trouvé ça hier vers 14h, c'est tout ce que je sais. Regarde. Donc ça, c'est un projet d'école. Donc vous voyez, ce projet a été réalisé avec Unity et l'Oculus Quest 2 dans le cadre du cours GTI 745, interface utilisateur avancée. Ça a été créé par Ephraim Sadok Assi, Jing Se Chan, Guillaume Landry et Nicolas Berg. Bessner, voilà, équipe 5, en 2024, c'est-à-dire récemment. Vous avez vu, ils n'ont pas fait beaucoup de vues, les pauvres. Et l'idée est super sympa, je vous la fais courte, hein. Ils donnent tout, le machin, je vous donnerai bien sûr le lien juste après. Voilà, et on va regarder le résultat, c'est rigolo. Voilà. Les personnages, les portails, les super points, les épées, blabla. Et voilà le résultat. Je trouve que pour un projet d'école, c'est sympa. Oups. C'est marrant parce que j'en reviens à Pac-Man. Vous savez que je suis un grand fan de Pac-Man. Mais l'un des premiers jeux que j'ai testé en réseau, et pour faire ça, il fallait qu'on mette des IBM, c'est très vieux, des IBM, on avait passé la journée au magasin, à l'époque je travaillais à la Sorbonne Informatique, à monter un réseau, ça avait pris toute la journée en entier, un truc d'état.
pour finalement jouer à un jeu où il fallait juste attraper des ronds comme ça. Et à plusieurs, on se voyait, enfin on se voyait, on est à manette, hein, mais. Et on s'était dit, un jour, on pourra jouer comme ça. Imagine qu'on ait des soldats, qu'on puisse vraiment se tirer dessus, ça serait génial, génial. Et oui, c'est ça d'avoir été au début de l'informatique, on a connu des trucs fous. Bon, bref, tout ça pour dire que leur petit projet, il est rigolo. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous donne le lien vers la vidéo dans quelques secondes. Ils expliquent tout, c'est propre, c'est net, c'est juste un exercice de travail. Mais ça, c'était sur notre Discord, ok. Voilà. Bim, boum, baf. Voilà, si jamais ça peut vous faire plaisir, et hop, je passe ça dans la corbeille. Allez, bim. Voilà, comme ça, c'est fait. Et bim. Et. Alors, attends, boum. Le truc, il est complètement foireux. J'en peux plus de Facebook. Je n'en peux plus. Petit truc sympathique que j'ai trouvé, je sais plus où là non plus, mais c'est pas grave. Je vais vous en faire profiter. Regardez ces cadeaux. Dyson, vous vous souvenez de l'aspirateur quand avec le gars qui avait fait un fake avec son Vision Pro, il passait l'aspirateur et là où il était passé, c'était en clair et ce qui était enfoncé, c'est ce qui est resté encore à aspirer. Regardez. Le projet arrive en vrai. Look at. Regardez. C'est pas énorme ça? Moi, je suis le mec qui avait fait le fake. Je les attaque pour avoir des royalties sur l'idée. Hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc, je vous le refais quand même parce que c'est assez rapide. Tu poses ton espèce de téléphone là. Hop, hop, hop. Et voilà. Comme ça, tu vois où tu as déjà passé l'aspirateur. Voilà. C'est du Dyson, ça coûtera certainement un bras. Moi, j'ai un Dyson, l'aspirateur. Jamais j'ai un aspirateur aussi pourri de ma vie. Il est bruyant, il aspire. Oh, voilà. Alors, Google, et on va terminer là-dessus. Vous allez en prendre plein la tronche, les loulous. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la montre. Je vous laisse juste vous imprégner. C'est parti. Attention. Ping. Regardez ça. Je m'en servirai la prochaine fois. Voilà. Dites-moi à quoi ça vous fait penser. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, hein, les autres, sauf ceux qui savent. Est-ce que vous savez ce que c'est? Allez, je vous laisse répondre. Eh ouais, Toyo. C'est de l'Unreal Engine 5 en réalité virtuelle. C'est pas terrible, ça? Non, non, c'est pas une record. Non, non, c'est juste une démo d'Unreal 5 en VR. Avec un casque, regardez. Voilà. This Unreal Engine 5 in VR looks real life amazing. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est amazing. Après, la vidéo est pourrie, l'audio est pourri, on s'en fout. Mais ça claque, non? C'est un truc de dingue. Voilà, ça peut faire rêver. Je vous le dis, ça peut faire rêver. C'est incroyable. L'avenir va être génial s'il se bouge un peu le popotin pour nous faire des trucs sympas. Voilà, allez, hop, je vous donne bien sûr le lien de cet engin-là de suite. Le temps d'enlever tous les glitches rajoutés. Voilà. Je vous le donne là tout de suite. Voilà, vous l'avez en bas. Hop, hop, hop. Comme ça, je vire ça. Hop.
Hop, hop. Et je vous en parlais il y a quelques minutes. Ta-da! Pour sa 77e édition, le Festival de Cannes lance sa compétition immersive. Voilà, donc bien sûr, c'est pour des films, hein, des œuvres immersives. Alors, 7 ans après son premier essai, à la suite du marché du film qui explora plus avant ses technologies et cet art nouveau à travers ses programmes dédiés à l'innovation, le Festival de Cannes revient avec la création d'une compétition qui vise à mettre en valeur cette nouvelle génération d'artistes internationaux qui inventent et développent de nouvelles expériences narratives en rupture avec le cadre bidimensionnel de l'écran cinématographique. C'est beau, c'est tellement beau. Il y aura huit œuvres immersives seront sélectionnées par un comité composé de professionnels. Les œuvres seront accessibles aux festivaliers du Festival de Cannes et aux accrédités du marché du film pendant toute la durée du festival du 15 au 24 mai, sous la forme d'une exposition de 1300 mètres carrés qui se tiendra au Cinéum, le multiplexe cinématographique de Cannes La Bocca, ainsi qu'au campus Georges Méliès, spécialisé dans les écritures créatives et les métiers d'image. C'est vrai qu'ils ont fait un nouveau complexe, c'est pas loin de chez moi. Voilà. Je vais peut-être essayer de me faire accréditer, tiens. Voilà, je vais essayer de cliquer là et puis on va essayer de demander, juste pour aller voir ça me plairait bien, j'avoue. Voilà. Allez les loulous, ça c'est fait, on n'en parle plus. Voilà. X Stadium, ça me rappelle quelque chose, X Stadium. On me demande si je connais X Stadium. Et là, tout de suite, à froid, ça ne me dit rien. Mais je vais dire ça dans 30 secondes. Ah, The Home for Sports in the Metaverse. On a MetaQuest, le voilà. Mais ça marche que chez les Américains, ça. Non, il ne faut pas venir avec son casque. Voilà, tu vois, je l'ai déjà, puisqu'il est en launch ici. Et gna gna, Sport Experience, that combined the excitement of live, on me demande, etc. Je me demande, ça marche pas que sur les États-Unis, ça. Je parle de X Stadium. Je vais l'installer sur un de mes casques. Voilà. Voilà. Et comme ça, dès qu'il s'installe, je regarderai. Si entre-temps il s'est installé, on peut jeter un coup d'œil. Mais je pense que c'est. Je pense que c'est. Oui. Bah, si j'y vais avec mon casque. Ça, moi, oui. Vous, non. Mais moi, oui. Même pas peur d'y aller. Voilà. Je vais regarder si X Stadium s'installe sur mon casque. Là. Mais il me semble que c'est un peu comme tous les trucs à abonnement NBA et compagnie. Là, c'est tout destiné au marché américain, ça. Je vais regarder ça tout de suite. X Stadium est en train de s'installer. 116 mégas, je vais regarder vite fait. Installation en cours, donc il a téléchargé, c'est bon. Voilà. Je vais partager l'image en attendant, comme ça vous vous ennuierez moins. Hop. Il est là. Voilà. Hop, et je vous le mets là. Voilà. Ah, c'est fou. Le live est en retard là sur YouTube. J'ai l'impression d'être un quart d'heure en avance. Ok, on est bien là. Vous me voyez? C'est bon? Je vois plus. A priori, oui. Je regarde East Stadium tout de suite. Wow. X Stadium. 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 Putain, il est en. Ah, il est en. En plus, il est en MR. Ah, c'est une tuerie. Ah, voilà, tu vois. Sorry, Stadium is currently not available in your area. We will work hard to bring it to you as soon as possible. Voilà. Donc effectivement, malheureusement, on n'a pas la possibilité de l'utiliser. Voilà. Dans notre domaine. On peut avoir des amis. Ok, cool. Bing Sport. Voilà. VR mode. Voilà. Au lieu de l'AR mode, c'est cool.
Alors, il y a Bing Sport, la NBA League Pass, UFC. Et tout ça, bah, Macache, Walou, Tintin. Voilà. Désolé, mon ami. Mais c'est pour ça qu'on n'en parlait pas. Parce que sinon, effectivement, ça serait un truc à posséder. Et ça serait assez génial. J'adore le mode MR, par contre. Avec les murs bleus et tout, je kiffe. Voilà. Tu sais tout. Donc, je peux quitter. Et je peux faire un truc de ouf. C'est-à-dire le désinstaller directement vu qu'il ne sert à rien. Voilà. Désinstaller, désinstaller. Et bingo. Voilà. Bien sûr, on peut utiliser un VPN, etc., etc. Mais là, on est hors du sujet de ce soir. Nicolas, on parlera de la mise à jour de ton jeu la prochaine fois. Voilà. Hop, je reviens en ligne. Bien, messieurs, dames, je vous remercie de votre attention. J'espère que ce live calme, tranquille, vous a fait plaisir. Attends, je vais jeter un petit coup d'œil au cas où. Allez, je te la montre, ta vidéo. J'y vais, bouge pas. Hop, accordez-moi 30 petites secondes. Allez, je vous montre la petite mise à jour du jeu de notre ami sur Fufu. Voilà. Je m'y fais pas au fait qu'on pilote à distance. Je ne m'y fais pas. Je ne m'y fais pas. Down to the wire. Voilà, c'est fait, on a parlé et c'est disponible sur l'Apple Vision Pro, bien sûr. Mesdames et messieurs, merci à vous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Donc, je vous, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, et seulement pour ceux qui restent jusqu'au bout, je vous invite à déposer un commentaire dans la vidéo après qui parle de quoi? Allez, je vous invite à déposer un commentaire sur votre avis. Est-ce que je dois aller au Festival de Cannes pour voir le festival immersif? Laissez un commentaire, bien sûr, après le live, hein, sur les vrais commentaires de la vidéo. Et je tirerai au sort, lors du prochain live, celui qui m'a fait le plus sourire, ou un vrai tirage au sort entre ceux qui ont laissé un commentaire, et je vous offrirai un jeu, soit de ce que j'ai en stock pour le MetaQuest, soit pour Steam. Vous aurez le choix en fonction des stocks que j'ai. Pour l'instant, j'ai distribué tous les jeux promis. Les trois derniers ont été envoyés la semaine dernière. Il reste que The One 76 à qui je n'ai pas donné parce que c'est plus compliqué. Il voulait choisir des jeux, donc c'est un peu compliqué. Mais je suis à jour de ce côté-là. Donc là, aujourd'hui, puisque vous êtes resté jusqu'au bout, vous le savez. Ceux qui ne le savent pas ne comprendront peut-être pas. Mais je tirerai au sort sur les commentaires qui commenteront, enfin qui laisseront un truc qui me feront sourire sur mon passage potentiel à Cannes. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et à plus. Ciao, ciao. Ah, petite remarque, oui, les films, les trois, la série sur les trois corps. Putain, je n'en peux plus, j'arrive pas à aller jusqu'au bout. Je comprends rien, ça me saoule. Allez, c'est ça le problème à trois corps. Ouais, tu m'étonnes, c'est insupportable. On en parlera la prochaine fois. Allez, à plus. Ciao, ciao. Je sais que j'ai mis mon truc.